Bon, cette fois-ci, en plus, voilà. Cette fois-ci, c'est bon, je suis là, je suis au courant. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ah, il fallait que vous voyiez quand même le générique très, très stylé. Bienvenue à toutes et à tous sur Table Quest épisode 4. On va enfin descendre en Averne. Ce soir, mesdames et messieurs, on va enfin entrer dans les enfers, a priori. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce soir, un épisode un petit peu particulier, puisque, eh bien, notre cher Kirkis, notre très cher Fred, eh bien, est absent. Kirkis a disparu lors du précédent épisode, mais Fred ne sera pas là cette fois-ci. Et on aura un ou une invitée mystère que vous pourrez découvrir durant la soirée. Donc, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Voilà. Bon, évidemment, on l'a aperçu hein, dans un couloir, mais on ne sait pas du tout quel sera voilà, son personnage ou quoi. Voilà. Ça va être la surprise, donc j'ai très, très hâte de découvrir ça avec vous. Avant de commencer, un grand merci à nos partenaires, à nos sponsors. Un énorme merci à HyperX hein, qui est là depuis le début et qui soutient ce projet. N'hésitez pas, il y a le lien qui mène directement sur leur boutique pour que vous puissiez éventuellement vous procurer du périphérique HyperX. C'est très très solide. Donc merci à HyperX de ce côté-là qui soutient TableQuest. Merci à Donjons & Dragons, Wizards of the Coast, évidemment, qui nous ont rejoints lors du précédent épisode et qui nous aident aussi sur ce projet grandement. Donc merci beaucoup à D&D, hein, le pilier du jeu de rôle. Et évidemment, on fait une campagne de type Donjons et Dragons, donc ça fait sens. Du coup, voilà, D&D qui nous soutiennent. Vous pouvez évidemment aller suivre leur réseau. Il y a les précommandes des produits en français Donjons et Dragons avec les nouvelles traductions en plus qui vont arriver là. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez envie de vous plonger dans cet univers. Aussi, on a deux nouveaux displays, mesdames et messieurs, qui arrivent. Les illustrations de Nicolas Vrel qui continuent d'arriver sur Table Quest. On a eu du coup les deux premiers personnages, Aventure et Hal. Et là, on va avoir du coup Hook et Mindaria. Pour l'instant, on a uniquement Mindaria disponible sur le site. Hook met un peu plus de temps à être validé. Je pense que c'est... Voilà, voilà le torse velu, je pense que c'est... voilà, ça pose un petit peu problème. Mais il sera validé très très bientôt. Je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive sur mon Twitter. Donc merci encore à vous de l'intérêt. Et n'hésitez pas, vous, voilà, si vous êtes chaud, à vous procurer ces petits displays disponibles directement via mon lien sous le stream. Voilà, voilà. On va avoir une annonce, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va avoir une annonce très, très, très stylée. Je vous en parlerai juste avant la première pause. J'ai très hâte de vous révéler ça. En attendant, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais rejoindre mes camarades et nous allons poursuivre l'aventure, mesdames et messieurs. J'ai très, très hâte. Le saucisson est là, le fromage est là, c'est bon, tout le monde est là. Enfin, il est encore là. Tout le monde est là. Presque tout le monde est là. Presque tout le monde est là. Vous allez observer que Hook a eu un petit bonus au niveau du fromage, mais voilà, évidemment. Je constate qu'on est à bonne école ici, à un moment donné. Je vois ça. On a compris les bonnes vieilles valeurs. Les bonnes vieilles valeurs, en effet. Ouais, je pense que je vais pas le mettre, ça va me gêner plus que autre chose. Du coup, j'espère qu'on est bon sur les sons en régie parce que j'ai l'impression d'entendre des voix, mais tranquille. Tranquille, j'entends des voix. Il y a des esprits. Vous voyez ce que j'entends à chaque partie maintenant ? C'est mon démon. Il y a le diablotin qui parle. J'ai pas besoin de faire de jet de charisme. Il y a des moyens. On est en Averne, donc tout est différent, vous savez, forcément. Juste un petit détail, si on peut monter l'incus aussi dans mes oreilles, parce que je l'entends pas hyper fort. Bref, mesdames et messieurs, ça va à la forme, vous êtes chaud ? Oui, comme des heures. Bon cher Aventure. Ah ben écoute, c'était rapide l'attente, on n'a même pas attendu en fait pour le projet. 20 jours. Bah ouais. 20 jours, c'était la semaine dernière. Moi, je suis prêt, j'ai l'impression que je t'ai arnaqué, c'était quoi ? C'était hier à peu près ? Arnaqué, non, mais... Est-ce que je dois dire que je... Non, je sais pas, arnaqué, non. Par contre, je t'ai pas rendu la monnaie, mais bon, je crois que tu t'en fiches. Non, mais t'inquiète. Très bien, bon, c'est pas... Bah, tu connais le sort main de mage ? Je n'ai pas entendu. Ouais, tu vas découvrir. Bon, chat Aventure, c'est bon que t'es chaud, t'es prêt ? Ouais, j'ai hâte de voir... Par contre, en termes de... Parce que j'ai pas négocié, mais on est obligés de tous descendre en Averne ? Je peux pas rester en haut, moi ? Non, je crois que ça se négocie pas, ça. Non, tu peux pas faire le guet à l'entrée de la porte. J'aimerais bien, c'est-à-dire que s'il y a un rôle à avoir de ce type où on surveille l'entrée pour être sûr qu'il n'y ait personne qui rentre ou qui sorte, moi ça me va. Ok, non écoute, on verra, il faudra le faire en RP. Là, ouais, c'est HRP, là. Ok. Je le ferai en RP, il n'y a pas de problème. Mon cher Trauma. Mon cher Al, du coup, en podcast. Paladin. Comment allez-vous ? Ça va bien, là, super, moi ça va très très bien, là. Là, je me sens très très bien. Parfait. Écoutez, moi aussi, j'ai appris de nouveaux sorts que j'ai appris avec un abbé, la bétonnière. Mais il me faisait tourner en rond un petit peu, donc ça s'est vite terminé. D'accord. Mais je profite de ces enseignements. Tu l'as écrite celle-là ? Pas du tout. Ouais. Non, ça me rassure. Preuve disponible. Mais non. Envie de canner. Tout va bien. Dis-moi, t'es passé level 5 ? Ouais.
ça va être rigolo pour toi. Ouais. Ouais. Je vais invoquer de la monture. Ouais, ça va être intéressant. Hein. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, on vient de passer level 5, ce qui fait que, bon, moi j'ai eu R, mais à peu près tout le monde a des nouveaux jouets. Ça va, l'air non, mais j'ai eu des petits trucs, mais c'est vraiment mini. Super connard, cornastérique. Super connard. Qu'est-ce qui lui arrive à lui dans ma shopping. On va faire un tour des level up juste avant de commencer. Ouais, donc. On va parler. Oh la vache. On est passé level 5, du coup, voilà, on est quelques-uns à avoir quelques nouveaux joujoux. Mon cher Trauma, t'es prêt? T'es chaud pour cette soirée? Mais toujours, toujours chaud, toujours prêt, j'attends que ça. J'ai hâte de voir tes multiples interventions, toujours cinglantes. En parlant de nouveaux joujoux, je crois que t'as un nouveau joujou aussi, toi, ma chère Ava, qui nous rejoint encore une fois. Oui, tu parles de tout ce que j'ai récupéré là, parce que je commence à avoir pas mal de trucs. C'est quoi ça? C'est des sorts, ça? Ouais, c'est tout ce que j'ai récupéré. C'est le Uno, quelqu'un qui fait ça. Contre Yu-Gi-Oh! Voilà, ça risque de commencer à être un petit peu marrant là, on va s'amuser un petit peu. Ouais. Mais là, on retourne à la maison. Uno, c'est où qui gagne? C'est vrai qu'Uno. Ah bah là, les gars. Bah t'en as pas. Dommage. La magie, vous savez. On verra si ça te sauve en averne. C'est pour les gens qui n'ont pas de muscles. Hein. Ok, Ted. Waouh. Bon, du coup, Ava, t'es prête? Ouais, complètement. T'es motivée, c'est bon, t'as révisé tes sorts. Ouais, j'ai bien bossé et surtout, j'ai trop hâte parce que là, on descend à la maison, donc commence à faire chaud. On tourne au bled. On tourne au bled, là, on est bien. Ouais. On va être let's go, bien. Let's go, ça va être sympa, on va voir la famille. Mon cher Ted. Bah, moi, je suis en pleine forme. Bah, ouais, t'es en pleine forme. Comment il me parle? Allez. Il tente un jet de charme sur moi, là. Exactement, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est parti, on lance les dés. Il vient de faire un vin, là, je suis. Que veux-tu? Mais non, mais moi, ça y est, j'ai dit au revoir à ma pirate, j'ai préparé mon baluchon. Comment ça, t'as dit au revoir à ta pirate? Bah, une dernière fois, un petit bisou, et hop, on est parti en Averne, tu vois. On est pas sûr d'en revenir. Terrain s'il rencontre d'autres personnes en Averne. Allô? Oui, c'est fini. Il va m'utiliser comme un téléphone, c'est genre, Al, viens là, j'utilise message. Le message. Après sans retour. La quête de bateau, tu parles, tu parles dans ma bouche, c'est un micro. Ouais, exactement, pas d'accusé de réception, du tout. Au revoir, bonsoir. Voilà, donc tout est prêt, en tout cas, prêt pour la baston. Pour la baston, comme d'habitude. Exactement, et en plus, moi, la chance que j'ai, c'est que level 5, j'ai gagné une attaque supplémentaire. Arrêtez de couiner. Arrêtez de dire, moi j'ai rien, vous avez plein de trucs. Et voilà, donc au moins je suis à deux attaques par tour, et si je suis en frénésie, j'en ai trois. Donc autant dire. Ah oui, let's go. Ça va être la fête. Ça va découper. Très bien. L'incus Dieu. Oui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, je suis très content. Ouais, vous avez de l'eau, c'est bon, vous avez à manger? J'ai de l'eau, j'ai plus mon stylo, mais écoutez, c'est pas grave, j'ai dû le poser. Vous allez vous en chercher un si vous voulez. Non, mais je vais le trouver, ça va aller. Je vous remercie, mon cher Al. Tout va bien se passer. Non, je suis très content, ça n'a pas été très long à attendre, comme disait Ventis, donc 20 jours, donc très content d'être là, plein de belles choses qui va vous arriver ce soir, l'invité mystère en plus qui arrive, donc et votre passage de level, donc ça va être top, Très hâte, et puis une annonce à la première pause, un peu avant la première pause. Juste avant la première pause, on va vous partager une info de dingo concernant la suite de Table Quest. Ça va être beau. Ça va être très beau. Ça va être très très beau. Juste petit rappel pour les gens qui arriveraient, on joue sur Donjons et Dragons 5e édition avec quelques règles un peu, voilà. Homebrew. Ouais, homebrew refaites sur certaines classes notamment. Mais normalement tout va bien se passer comme d'habitude. Alors, si vous êtes très énervé dans le chat, n'hésitez pas à sub T3. Tout à fait. Normalement ça va vous détendre un maximum. ne vous inquiétez pas, la modération est là pour vous, on a des noms. Mais tout va bien se passer. Et on va faire un petit récap parce qu'on parlait de votre level 5. Oui. Donc on va commencer par toi, mon cher Al. Tout à fait. Qu'as-tu gagné au level 5? Est-ce que tu te rappelles? R. T'as 3d6. J'ai littéralement R. T'as 3d6 à l'attaque sournoise. J'avais déjà, je crois, 3d6 non. Au... Non. Non, t'étais à 2d6. T'es à 2d6, donc t'as, 3d6 maintenant. T'as gagné aussi esquive instinctive. Tout à fait, esquive instinctive qui me permet de réduire de moitié les dégâts que je reçois d'une attaque. Si je vois d'où ça vient. Exactement. Voilà. Donc si je regarde un mec qui me tape dessus, c'est le fait de faire ce petit higi, ça me permet de réduire de moitié les dégâts. Donc c'est pratique parce que j'en ai marre de canner. Il y a aussi, faut que tu vois l'attaque, hein, si c'est dans le dos comme certains ont l'habitude. Ouais. Ouais, voilà. Mais aussi petit point à préciser, bon, tout le monde l'a gagné, mais votre bonus de maîtrise passe à plus 3. Tout à fait. Donc ce qui fait que vos capacités, certaines sont un peu EP. Donc vous allez voir ça évidemment quand on fera des tests de sauvegarde, parce que je peux vous garantir que ça va arriver pendant cette partie. C'est vrai qu'on n'en a pas fait des tests de sauvegarde. En fait, à chaque fois je vous disais faites un test de, par exemple, de constitution, je disais pas sauvegarde. D'accord. Et maintenant on va utiliser le vocabulaire, parce qu'effectivement c'est un truc qu'on disait pas trop, mais on va commencer un peu à utiliser les vrais termes. On dit les termes. Mon cher Ventis, Venture. Eh bien moi j'ai appris un nouveau sort de niveau 3 qui est l'invocation de démons mineurs, je crois. Inférieur. Inférieur, tout à fait.
Donc on expliquera si on le fait ce soir, parce que le texte est légèrement long. Et j'ai obtenu une invocation occulte qui me permettra d'attaquer, en gros d'avoir deux attaques avec l'arme que j'invoque. Exactement, ouais. Donc, tout le monde a les deux attaques quasiment. Une double attaque canif ou une double attaque bilboquet livre qui parle. Bibliotoqué, quand même, voilà. Un peu de respect pour les armes. Bibliotoqué. Un peu okay, de respect. Sacha, c'est ton Pokémon. Mon cher Trauma, toi aussi t'as... Oui. Ah, ton level up fait plaisir. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Plus de PV, je suis à 43 PV, deux attaques également. Et sur une des deux, je peux faire un châtiment divin, donc c'est assez énervé. Et évidemment, l'évocation de monture que j'ai choisie. Ça va être pratique, ça. Donc c'est très très fort. Ça va être très pratique, parce que je vois que tu avais pris justement le don combattant monté. Combattant monté, oui. Lors du passage ça. Level 4. Donc évidemment, tout à fait logique. Ma chère Minderia. Oui, alors moi au niveau des points de vie, je t'avoue que je me rappelle plus combien j'ai pris de points de vie, mais je vois pas mal quand même. Ouais, t'as pas mal. Ouais, ouais. T'as pris pas mal. Ça a dû être un jet intéressant. Je suis passé à 35 points de vie, donc... Oui, t'étais, t'étais à combien avant? J'aurais pu vous dire, mais je crois que c'est elle qui a fait le meilleur, ouais, le meilleur jet. Ouais. Pas mal. Non, j'étais vraiment... voilà. Et j'ai gagné du coup un sort en plus de niveau 3, donc boule de feu, qui va être rigolo. Ça va être rigolo, ouais. Et en plus, par ma bloodline, du coup, invisibilité que je peux faire sur moi ou sur d'autres personnes. Mmh. Sur d'autres, ouais, en l'invoquant avec un niveau, un emplacement de sort supérieur. Mi. Tout à fait. Mi. Donc, ouais, il y a deux sorts plutôt pas mal, hein, pour cool. se cacher, un pour envoyer du bousin, quoi, un truc sympa. Ça va être très très cool. Évidemment, boule de feu à ne pas envoyer dans les espaces clos quand vos amis sont au même endroit que vous, hein. Juste petit conseil. C'est quoi le rayon d'action déjà de la boule de feu? C'est 6 mètres. 6 mètres, mon gars. Trop. C'est trop. Dans une pièce, c'est trop. Il va faire un peu chaud, mais bon, il fera chaud de toute façon. Oui. Okay. Oui, vous n'êtes pas beaucoup à résister au ça feu. Ça devrait hein, pas être des espaces clos. Hein, oui, mais c'est pas parce qu'on résiste au feu qu'il faut nécessairement nous balancer des boules de feu à la gueule. Ça, mais c'est plutôt haut de plafond en enfer normalement. Hein. La dernière fois que j'ai visité. Oui, oui, c'est haut de plafond. Ouais. Ça, le bled est haut de plafond. Mais, le bled est haut de plafond. Et toi, mon cher Hook, alors pareil, toi, alors là, c'est enfin le moment. Tant attendu. Le moment tant attendu de l'attaque supplémentaire. Exactement. Donc, l'attaque supplémentaire qui va vraiment faire plaisir. Voilà. Alors, ensuite, on a aussi. Eh bien gagner déplacement rapide, il fait qu'au lieu de faire 9 mètres j'en ferai 12. Waouh, le mec est devenu Sonic le Rebelle en quelques secondes, mais c'est ça, c'est pouf, on y va. Et en termes de PV, je suis passé à 51 PV. Aïe, oh, aïe, aïe. Donc autant vous dire que le tonk, voilà, un bon bébé. Ouais, je tombe dans des crocs de dragon, il faut qu'il croque le gars. Hein. Non, on va éviter. Non. Non, t'es mort en fait. C'est tout de suite, nul, zéro. Donc voilà, moi c'est surtout encore une fois voilà, de la castagne et de la castagne. J'ai gagné peut-être aussi un niveau de rage, je crois. Calme-toi. Non, c'est le niveau d'après que t'as une rage. C'est le niveau d'après. Faut arrêter de rajouter des trucs qui n'existent pas. Il y a deux secondes, t'avais gagné R et en fait t'as gagné une liste comme ça, toi. Alors, la blague. Ouais, là. C'est juste quand on me tape dessus, c'est pas pareil. Mais dans le dos, c'est toujours pareil. Ouais, ça, malheureusement. Et ben maintenant que ce petit tour est fait, Alpha, je vais te laisser la parole pour lancer la vidéo. La vidéo d'intro, et puis let's go. Tout à fait, je suis chaud. Vas-y. Vidéo d'intro. Dans l'épisode précédent, le chaos règne dans la porte de Baldur. Depuis que de nombreuses villes disparaissent sans laisser de traces, les survivants cherchent à tout prix un refuge. Le poing enflammé a bien du mal à contenir ces âmes en peine qui se bousculent aux portes de la ville. Nos cinq héros, Al, Hook, Trauma, Kirkis et Eventure, se sont vus convoqués par Darmin Zodge, un capitaine du Poing enflammé. Il leur a donné une mission bien particulière afin d'apaiser les tensions. Retrouver et tuer les membres de la secte des Trois Funestes. En s'occupant de la duchesse Talamra Van Tampur, responsable du tumulte dans la ville, ils découvrirent que les cités disparues pouvaient être sauvées. Mais pour cela, il allait falloir entreprendre un nouveau voyage, plus risqué encore, en compagnie d'entités infernales. Merci monsieur le narrateur pour cette belle vidéo d'intro, bien lancée en plus par votre ami Al. Un plaisir. Un plaisir. Donc oui, vous étiez dans le bureau de Sylvira, rappelez-vous, à Condalkeep. Elle vous avait un peu annoncé le topo, vous lui avez donné le bouclier, notamment la boîte, vous avez découvert pas mal de choses sur où est le Turel, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et Sylvira vous propose quelque chose, de passer une dernière soirée en fait
sur votre plan avant d'aller en Averne. Elle vous indique qu'elle a réservé une table dans un pub ou une taverne du coin qui s'appelle Le Foyer. Vous voyez derrière vous qu'on est en train d'atteler des griffons. Il y a un griffon qui a l'air... Enfin, il y a deux griffons qui ont l'air beaucoup plus gros que les autres. Vous les voyez tout de suite. Et il semble y avoir un dispositif qui était en train d'être installé magiquement. Vous voyez des chaînes s'envoler, en train de suspendre à une sorte de grosse cage. Sylvira vous dit également, vous allez retrouver une amie à moi au foyer qui va vous accompagner. Vous allez la reconnaître, elle a une ceinture sur le front. Elle est en train de faire ses études sur l'Averne. Donc elle va un peu vous aider, elle a besoin un peu de précision. Je me dis que l'occasion était belle pour qu'elle y aille enfin en Averne. Je vais vous donner quelques petites babioles pour vous repérer en Averne. Qui parmi vous désire avoir une carte de l'Averne ? Ça m'intéresse. Tenez, mon cher Al. Par contre, t'arrêtes de lever la main à chaque objet, hein. Je te le dis tout de suite. c'est pas celui qui a le sens d'orientation d'une moule ? Mais oui. Ah bon ? Bah écoutez. Comment ça ? C'est quoi ce jugement ? J'ai jamais parlé de ça. D'accord, ok. Mais oui, c'est pour ça qu'une carte, j'en ai besoin. Okay. Ah oui. Attends, l'autre côté. Elle est incroyable. Donne-moi l'autre côté, montre-le au côté. Tourne-la dans l'autre sens. C'est l'autre côté. Ça commence bien. Ah oui. Voilà. Ah, c'est moins structuré de ce côté. Ah oui, c'est... Parce que là, c'est une ville, et puis là, c'est pas une ville. Ensuite, elle se dirige vers Minderia. Et elle te donne un petit sachet. Elle te dit que c'est une pièce. Ok. Je sais pas trop ce que ça fait, je sais que c'est utilisé en Averne. J'en ai qu'une seule, donc je vous la confie. D'accord. Voilà, je sais que ça peut vous être utile. En revanche, à mon avis, votre or va pas vous être de grande utilité là où vous allez, du moins à ma connaissance. Donc je vous propose soit de festoyer et dépenser votre argent comme vous le voulez ce soir. Vous avez de quoi dormir, hein. Je vous ai préparé de quoi dormir chez moi. Il n'y a pas de petite boutique. Là vous êtes, alors petite info, vous êtes en début d'après-midi, hein, donc vous avez le temps de divaguer après. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'or ne sera pas d'une grande utilité en Averne ? Bah, pas toute votre or, peut-être que pour marchander avec quelques créatures là-bas, je ne saurais vous dire. Moi, de mon expérience, l'or n'est pas très très utile là-bas. Mais alors qu'est-ce qu'ils utilisent ouais. Je pense qu'ils utilisent ce que j'ai donné à Minderia, mais justement, c'est une info à confirmer. D'accord, et on n'en a qu'une pour tout le groupe ? J'en ai qu'une seule, je suis navré. Ok. Donc je vous propose donc de dormir chez moi ce soir et de vaquer vos occupations pour aller au foyer. Je vous ai donné normalement rendez-vous au foyer. Vous savez ça, les festivités commencent toujours en début, fin d'après-midi plutôt. Excusez-moi, genre vers les 16h. Donc vous pouvez un peu vaquer vos occupations et aller au foyer. Mon amie sera là-bas. Elle sera reconnaissable. Vous ne pourrez pas la louper. Je vais pas vous gâcher la surprise de vous la décrire. Mais c'est une amie, somme toute originale. Et elle aura des informations pour nous, du coup ? Elle est experte en Averne, donc elle a peut-être un peu plus d'infos que moi, en effet. Okay. Non, ça aura peut-être un peu plus sur la pièce que vous m'avez donnée. Du coup. Peut-être. Quel est son nom ? Elle s'appelle Fumble. Oui. Fumble. Elle a une ceinture sur le front, vous dites ? Elle a une ceinture sur le front, je vous avoue que c'est un peu... Parce qu'elle a la grosse tête, c'est ça ? Je m'y attendais. Alors, cette blague était facile. C'est une véritable question. Malheureusement, elle a une grosse tête, en effet. Ah. Elle a une grosse tête. Elle a une grosse tête. Et elle s'y connaît en Averne. Elle est singulière, mais j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de la découvrir. J'ai eu un peu de mal à la croire au début, mais son histoire est somme toute singulière. Elle est plutôt connue à Condalkeep de par sa stature et ce qu'elle est. D'accord. Écoutez, vous, est-ce que vous sauriez nous indiquer s'il y a des boutiques d'objets magiques ? Alors, je sais qu'il y a un certain Zapetito qui est en ville en ce moment. Et qui vend, somme toute, des gemmes, des matériaux bruts, et qui peuvent en vendre potentiellement quelques denrées magiques. Et il est généralement d'ailleurs au foyer. Mais, Et toi, mon cher Aventure, quand elle dit Zapetito, elle précise qu'il s'appelle Ferpier. Et Ferpier, le nom te dit quelque chose, que c'est un nom en tout cas qui revenait beaucoup dans ta famille, dans ton clan, qui est un fournisseur en fait de matériaux précieux. Ok. Et donc c'est un nom qui viendrait d'outre-terre. Ok. Voilà. Très bien. Donc si vous désirez, je vous donne ce conseil parce que je sais que lui il est disponible, il est là-bas. Enfin il va au foyer normalement. Il y a aussi une autre boutique, mais celle-ci c'est plus pour tout ce qui est concoction, préparation médicinale ou autre chose. C'est important.
Non, mais c'est pas forcément. Enfin, je voulais pas tout de suite parler parce que c'est pas un ami à moi, donc je le porte pas spécialement dans mon cœur. Il a des pratiques un peu douteuses sur certains points. Donc, je peux vous indiquer où il est. Il y a aucun souci. Mais je sais que sa boutique, elle est. C'est un peu le genre de boutique. Si elle est ouverte, c'est un peu un miracle, quoi. D'accord. Un peu rare. Et tout ce que j'ai récupéré dans la forêt pour faire des petites choses, il peut peut-être m'aider là-dessus. Il pourrait. Ouais. Ah ouais, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, sachez que voilà, je vous laisse votre soirée pour préparer. Je vais avertir avec mon petit équipier qui m'accompagne partout, notre ami Traxigor, qui va vous envoyer en Averne. Je vous ai dit, c'était une tour à 30 km de Candlekeep, parce qu'on peut pas faire de sort de changement de plan ici. Donc c'est ces griffons qui vont vous y amener. Tout est prévu pour demain matin. Comme ça, je vous laisse une dernière soirée et vous allez pouvoir un peu profiter avant de partir dans ce plan comme tout original. Les achats, il vaut mieux y aller ce soir ou demain on a Vous pouvez y aller quand vous voulez. Hein. Okay. Écoutez, vous avez l'air d'être assez grande pour faire vos propres choix. Oui, mais le choix est difficile entre boire un coup et aller faire les magasins. Vous pouvez faire les deux. On fera les deux. Ah, ok. Mais dites donc. Par contre, c'est terminé la distribution d'objets là. Alors moi j'ai rien donné. On est quand même 5 et on est 3, on n'a rien à voir. Alors moi je vous avoue que j'ai déjà ce cube à rang. Je savais que j'aurais dû lever la main. À remboîter et tout. Non, je veux pas. Et je vais surtout observer le bouclier que m'a donné votre ami Trauma. Moi je fais ça au grillon. Pour la carte minérale. Oui. Alors c'est écrit en infernal. Il y a un peu d'infernal dessus. Mon message, je sais lire. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir amené cette information. J'avais malheureusement raison sur le sort de Thaddeus Krieg et ses plans. Donc mon instinct était bon et malheureusement je regrette de ne pas avoir réagi assez vite. Ou du moins qu'on ne m'ait pas écouté plus tôt. On vous prévient de faire de notre mieux. En tout cas, voilà, pour ce qui est de la proposition de l'or aussi, ou d'objets que vous pourriez peut-être laisser ici. J'ai un coffre verrouillé magiquement. D'accord. Et je peux vous garder des objets le temps que vous reveniez de l'Averne, si vous revenez un jour, évidemment, ce que je vous souhaite. Si on revient pas, alors à tout gagner. Quelle bonne idée. Vous n'avez pas, vous, des objets éventuellement que vous aimeriez vendre ou... Je peux fouiller si vous voulez. Je vous ferai un inventaire demain matin avant de partir. Ouais. Je peux regarder quelques trucs. Ouais. Très bien. Okay. Je vous avoue que je voulais qu'elle est un peu entre l'excitation et un peu la crainte par rapport au bouclier. On a l'impression qu'elle veut vraiment l'étudier maintenant et commencer à faire des recherches dessus. On va peut-être vous laisser tranquille avec ce bouclier et enchaîner. Oui. Il est temps d'y aller. Un peu de shopping, ça vous intéresse ? Elle vous indique donc l'endroit où est la boutique qu'elle a parlé de cette espèce d'apothicaire qui s'appelle Barnabé. Elle vous indique aussi où est le foyer. Le foyer est déjà ouvert. Hein. C'est vraiment un pub qui est tout le temps ouvert où on peut manger, boire des coups. C'est pas un endroit où on peut dormir en revanche. C'est pour ça qu'elle vous propose de vous héberger pour la nuit avant de partir avec les griffons le lendemain matin sur la tour de Traxigor. Et quel était le nom du marchand d'herbes, la boutique de remèdes Ah, c'est Barnabé. C'est Barnabé, donc, oui. Donc on va directement voir Barnabé. Celui que je vous ai dit qui vient généralement. C'est pour ça que je vous précise que Zapetito Ferpier, c'est assez rare qu'il passe. Quand il passe, c'est vraiment qu'il fait des grosses affaires et après on le voit plus pendant. Il est présent là en ce moment. Là, il sera au foyer, ouais. Bah, autant y aller en premier. Donc ils sont tous au foyer en fait, plus ou moins. Ils sont tous plus ou moins. Le foyer, c'est un peu le seul endroit au Candlekeep où les moines sont un peu moins. Permettez-moi l'expression, un peu moins serré du bas, quoi. Donc, un peu plus. Tomber la toge. Très bien. Mais écoutez. En tout cas, je vous ai réservé au moins une table parce que c'est compliqué d'avoir des fois un peu d'espace, mais au moins vous aurez. Normalement, les deux gnomes qui tiennent l'établissement savent que vous êtes là. Merci. Très aimable. C'est très prévenant, aimable de vous. Vous voulez pas venir avec Je compatis, surtout que j'ai annoncé pas des très bonnes nouvelles à certains d'entre vous, donc. On va voir. Je préfère gérer son bouclier. Allons-y, merci. Pas de soucis, écoutez, direction le foyer, alors, messieurs. Quand vous rentrerez, la porte saura que c'est vous, donc vous n'aurez pas à me réveiller si vous rentrez un peu éméché, donc tout sera indiqué, les éclairs, enfin, les petits escaliers seront allumés pour vous accueillir. Je sais qu'on peut parfois être un peu rond en sortant du foyer, donc ne vous inquiétez pas. Il y en a toujours qui restent un peu sobres, mais oui. Ouais. On gérera, vous inquiétez pas. Ça boit de l'eau, les chèvres. Hein. Allez, on y va. Elle te regarde, je vous ai entendu quand même. Oui, non, faut pas oublier que. On est trois chèvres ici, mon cher. Donc vous assumez. Ouais, je suis fier. On est d'accord. Voilà, c'est... On va y aller. Je casse main de mage et je mets une baffe avec ma main. À qui? À Ted. À Hook, pardon. Quand tu as mis ta petite gifle avec la main de mage, tu as vu qu'elle avait commencé à vouloir faire à peu près la même chose. Mais qu'elle a arrêté quand elle a vu que tu avais été plus rapide qu'elle. Je vais faire un petit clin d'œil. Très bien.
Allons-y. Allons-y. Et du coup, on va. Qu'est-ce que vous voulez aller voir en premier? Le foyer. Bah, oui. De toute façon, c'est le foyer. Ils sont tous au foyer. Ils sont là-bas. Oui. Allons-y. Donc allons direction le foyer. Donc vous dirigez vers le foyer. Très bien. En vous baladant dans les rues, effectivement, c'est plutôt bucolique. Il y a des petits oiseaux qui chantent. Vous voyez qu'il y a le grand soleil comparé à ce que vous avez vécu avec la calèche précédemment. Il y a un peu de mouvement. Il y a quand même des gens qui se baladent dans cette ville. Ça a l'air d'être une ville très érudite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas de livres ou qui n'ont pas... Voilà, c'est vraiment une ville qui a l'air de beaucoup tourner sur la connaissance. Et vous arrivez face au foyer, qui est un établissement assez bas. Par rapport à tous les bâtiments que vous avez vus, on voit qu'il y a des énormes poutres, ça a l'air d'être un bâtiment un peu pas aussi élaboré que par exemple les bâtiments dans lesquels vous étiez avec chez Sylvira. Et lorsque vous rentrez dans le foyer, il y a un peu de monde déjà. Malgré l'heure assez tôt de la journée, il y a environ une trentaine de clients. Vous allez vraiment en regardant comme ça, vous direz à vue nez, il y a 30 personnes. Et vous constatez qu'il y a un énorme foyer au centre. Genre vraiment un foyer qui serait, on va dire, hors RP aussi gros que la table en termes voilà, de place. Il y a vraiment un énorme feu qui est au centre, oui. Avec plein de broches, etc. Il y a pas mal de gens qui sont en train de boire. Il y a deux gnomes qui sont en train de courir. Il y a, semble-t-il, un gnome qui a l'air d'avoir un peu plus l'ascendant sur l'autre. Des fois, vous voyez qu'il lui met des claques en passant et l'autre s'excuse un peu et continue de servir les gens. Et vous observez au fond à gauche, effectivement, une personne qui ressort du lot. Et cette personne, le narrateur va nous la décrire et je vais appeler l'invité mystère. Aïe aïe aïe. C'est bizarre la vie quand on y pense. Il y a encore pas si longtemps, j'étais Fumble, l'ogre du marais. Celle qui broyait les passants téméraires et olfactivement déficients pour ne pas empiéter sur mon territoire. Depuis, il m'a suffi d'enfiler cette drôle de ceinture magique, trouvée sur cet imbécile de mage qui se moquait de moi pour voir le monde différemment. Et me voilà! Fumble l'hérésite, à siroter mon hydromel dans la respectable taverne de Candlekeep, entourée des gens les plus brillants du pays. De mon point de vue, ce ne sont que des crétins. Mais admettons. Et c'est qui ceux-là? Ils n'ont pas l'air de lumière. Mais je peux peut-être me tromper. Non, je me trompe jamais. Donc vous voyez effectivement Fumble, qui est au fond de cette taverne, de cet établissement. Et je vais inviter Fumble à se décrire comment tu es physiquement et que fais-tu dans cet établissement. Eh bien, je suis une ogresse, plutôt intelligente et ça se voit, je pense. Je suis dans cet établissement car Sylvira m'a parlé d'aventuriers qui avaient besoin de quelqu'un, qui voulait s'amuser, partir en Avergne. Alors j'attends, je sirote mon hydromel. J'ai attaqué un mage qui venait dans mon marais et qui voulait juste s'amuser. C'est mon marais, on vient pas dans mon marais. J'ai récupéré une ceinture qui me paraissait jolie, que j'ai mis ici. Et me voilà, je suis intelligente maintenant. Donc je peux parler. En effet, c'est une ogresse qui est douée de raison, d'intelligence et de parole, ce qui est assez rare, faut bien se l'admettre. Et donc vous la voyez qui est au fond de cet établissement, en train évidemment de siroter de l'hydromel. Et là, vous voyez qu'elle a quelques bouquins qui, même pour les plus érudits d'entre vous, semblent un peu d'un niveau élevé. Hein. Elle lit des choses sur certaines divinités du savoir qui s'appellent Ogma. Et vous voyez pas mal de bouquins, et elle a l'air un peu hautaine. le cast de ride, clac, 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 clac. Alors personne ne l'a vu venir celle-là. Hein. Ah, c'est bien joué. C'est mon arrêt. T'as fait ton gros. Ah, je vous ai dit personne ne pouvait deviner. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Qui lui demande? Moi, je vais. Ok. Ah, regardez, ça doit être elle là-bas, celle-là avec sa ceinture là. Par contre, elle m'a l'air quand même assez brute de pomme. C'est pas ton genre ça d'habitude? On va essayer de voir un peu ce que c'est. Ouais. Tu nous prépares quelques chopines en attendant? Ça marche. Ok, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes une personne qu'on nous a conseillé de contacter pour descendre en Averne. Qui donc? Une chèvre. J'en vois deux ici, c'est l'une des deux. Ah, il y en a une qui s'est rognée, là, d'un coup. Elle a enlevé sa corde. Arrêtez. Arrêtez. Non, mais celle qui vous sert un peu dans sa baraque, là, qui gère un peu tous les objets magiques. Sylvira. Sylvira, exactement. Sylvira, en effet, oui. Effectivement, Sylvira. Et donc, elle nous a dit que vous connaissiez quelques informations sur l'Averne et que du moins, vous aimeriez y aller.
Est-ce vrai ? Il est vrai. Il est vrai, oui. Et vous êtes donc le groupe d'aventuriers dont elle m'a parlé. Effectivement. Quelques voix singuliers. Je vois un nain, deux chèvres. Qui êtes-vous donc ? Nous sommes la communauté. Eh ben, nous sommes effectivement peut-être la dernière chance de ce monde. Ah, juste ça. Effectivement. Très bien. Parce que vous voyez un nain ici qu'il n'est qu'un demi-homme. Pourquoi se focus sur les nains là ? Je te prends un exemple. Mais on a tous pris là, ça va, c'est ton tour. Oui, hein. Bah après tout, chèvre. Je te demanderai pas un tour de magie, tu vois. Ah, je peux faire des démonstrations. Ah, très bien. Mais dites-moi, pourquoi vous désirez aller en affaire ? L'aventure. Depuis que j'ai cette ceinture sur la tête, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'apprendre. Et j'ai envie de voir le monde un petit peu. J'ai pas mal de connaissances dedans. Mais dites-moi, nous ne sommes pas une agence de voyage. En soi, je suis bien d'accord, vous voulez nous accompagner en Averne, mais si ce n'est juste que pour le plaisir de nous accompagner, je ne vois pas en quoi vous nous seriez utile. Vous avez besoin de moi. Il me semble, sinon vous seriez jamais venu là. Je vous ai intrigué. Vous auriez passé votre chemin, sinon. Pas tout à fait faux. Mais néanmoins, quelle est donc la caractéristique qui nous manquerait à ce groupe et qui ferait que, eh bien, ce serait intéressant de vous compter parmi nous ? Je ne connais pas votre groupe, mais je suis moniale. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de savoir et je sais me battre. Si la réflexion et le savoir ne peuvent pas régler quelque chose, les poings le peuvent. Ah, vous savez vous battre ? Évidemment. Alors allez-y, frappez-la, juste pour voir votre fort. Je décide de mettre un énorme coup dans sa gueule. Oui, c'est bien. Eh ben, tu vas pouvoir utiliser ta compétence bagueur des tavernes. Au revoir. Réussite automatique, hein, vu qu'il bouge pas et vu que tu veux le toucher. Donc tu peux me lancer les dégâts. Lance-moi quand même un dé de 20, juste pour voir si tu fais vraiment un critique. Okay, peut-être. Je lance un dé 20. Oh la vache. 5. Bon, de toute façon, voilà, c'était juste pour voir si tu faisais un critique ou un échec critique. Et tu peux me lancer les dégâts, donc c'est 1 des 4, plus ta maîtrise. C'est fort, ça. Alors j'ai le D4. 3. Ok, donc ton D4, et tu rajoutes ta maîtrise normalement. Donc, ça... Alors, plus... C'est juste à côté de main nue. Plus 3. Ok, donc, elle te met une bonne châtaigne. Ah. Tu sens quelques gencives qui... Oh, cette petite me plaît, il faut qu'elle vienne. Elle en a dans le bras, c'est parfait. Mais vous, que pouvez-vous m'apporter donc en Averne ? Par contre, tu prends vraiment... Je prends combien ? Elle a fait... t'as fait 3 plus 3, c'est ça ? Donc 6. Oui. Ok, ça marche. Bon, 6. Eh bien, vous pouvez le constater qu'ici, ce sont les muscles qui sont de mise. En effet, ce n'est pas la tête. Et donc, vos amis ? Oui, enfin, la tête, moi je sais mettre une ceinture au bon endroit quand même, elle va se calmer celle-là. La ceinture ne passait pas, il faut faire comme on se peut si on veut pouvoir avoir le savoir. Oui, bon. J'ai d'ailleurs une question concernant cette ceinture, que se passe-t-il si vous l'enlevez ? Vous ne pouvez pas le savoir. Personne ne veut le savoir. Et essayez un petit peu de l'enlever et c'en est fini de vous. Car je n'aurai peut-être plus le savoir, mais j'aurai toujours les points. Ceci est très curieux, est-ce que c'est de la sorcellerie, ogresse ? Oula. Que veut-il ? Je ne le connais pas, il est un petit peu séparé du groupe. Là. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites avec un tel artefact magique sur votre front ? Je sens la sorcellerie, ça ne me plaît pas. Le magicien, mon marais, c'est mon marais. Et que faisiez-vous au marais ? Vous achetiez des vêtements ? C'est chez moi ? Vous avez un problème avec les ogres qui vivent dans un marais ? Non, mais vous ressemblez à un orque et vous puez encore plus. Il a un problème, le ptio, là ? Non, écoutez. Voulez-vous qu'on se batte ? C'est ça le groupe d'aventuriers dont Sylvira m'a parlé ? Allez-y. Il est somme toute gentil celui-là, mais toi, qui es-tu ? Décline ton identité. Je m'appelle Troma, je suis un paladin. Ah ! Oui, un paladin. Les pires espèces. Et je sens l'hérésie dans votre artefact magique. Mais il n'y a pas de souci. Sentez l'hérésie, que voulez-vous que ça me fasse ? Je me méfie de vous. Vous êtes paladin, je ne peux que me méfier de vous. Très bien. Qui veut boire ? Moi ! Ah, moi je veux bien. Ah. Ok, j'arrive avec les chopines et je sens que l'ambiance est délétère. T'as un gnome qui t'a servi, ouais. Qui s'appelle Suri, et qui est en train de t'aider à porter des chopes. Et tu vois que souvent il engueule un gnome, il parle assez vite dans une langue un peu bizarre. Ça a l'air d'avoir des mots que tu peux comprendre, mais il y a un patois un peu étrange. Et des fois il lui met vraiment des claques derrière la nuque. Et oui, excuse-moi, Suri, excuse-moi. Et tu vois, il continue à servir les gens, et des gens qui, même d'autres personnes, des clients qui lui mettent des gifles et tout. Ok. Et il a l'air de faire pas mal d'allers-retours et d'être un peu le bouc émissaire du coin. D'accord. Et donc voilà, le gnome qui lui n'est pas le bouc émissaire, Suri, donc est en train d'aider Al à servir les chopines. Il sait que vous venez de la part de Sylvira, donc il vient aussi vous servir de la viande, vraiment des baumets, vraiment des choses qui sortent du foyer, donc de la broche. Vraiment, il vous régale. Vous êtes très très bien servi à cet endroit. Ok.
Mesdames, messieurs, avant d'aller plus loin, je lèverai nos chopines à Kirkis, que nous allons sauver des griffes de l'Averne. Et bienvenue à toi, Fumble, à l'intérieur de ce groupe. Merci. Santé à nous, compagnons. Santé. À Kirkis, ses pouvoirs et sa perversion. Pour tous les rideaux. Et les poulpes. Et les truites. La liste va être très très longue. On boit une gorge à chaque animal. On fait le jeu de la gorge à chaque animal que Kirkis a fait. C'est ça. Écoutez, très cher Fumble, vous êtes présenté à... Je vais me présenter à mon tour. Je suis Al, présentement chèvre, d'après ce que vous avez l'air d'utiliser comme sobriquet. Nous recherchons un membre de notre groupe, mais pas que. Nous avons plusieurs personnes que nous recherchons actuellement. Et il y a une situation extrêmement grave actuellement en Averne. On a besoin d'aller en Averne pour retrouver la ville d'Elturel. Est-ce que vous devez être au courant? Vous lisez beaucoup, vous devez vous renseigner. Je connais un petit peu Averne et c'est un endroit très hostile. Mm-hmm. Êtes-vous bien préparé pour ça? Justement, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Apparemment, vous êtes une experte en Averne. Alors, experte, c'est un grand mot. Sylvira ne tarit pas d'éloge, a priori. Mm-hmm. En Averne est un endroit très hostile. La topologie change beaucoup. Des seigneurs de guerre sont là-bas et se battent pour leur territoire. Ouais. Et je pense que vous le savez, la pièce d'âme est donc la monnaie courante là-bas. Alors, on en a une. Ah oui. Vous en avez une. Une pièce d'âme, oui. Il va falloir en récupérer plusieurs. Ah, ne la dépensez pas. Ah non, ne la mangez pas. Mais je suis. On ne sait jamais. Condescendance est présente, hein. Ça commence à me. Et quel est votre nom? Je m'appelle Mindaria. Enchantée, Mindaria. Bah, ok, enchantée aussi alors. Elle est sympa, c'est bon. Et comment on peut s'en procurer des pièces comme ça? Vous en trouverez dans votre voyage. Nous tabasserons des voyageurs, c'est le plus simple. Mais nous devons partir demain. On en trouvera là-bas. Ah d'accord. Pas... Oui. Alors oui, pour info, les pièces d'âme, c'est un truc qu'on trouve qu'en Averne. C'est déjà, même pour notre experte en Averne ici, en avoir une sur ce plan, c'est déjà pas mal. Okay. C'est vrai qu'elle en a qu'une dans sa possession. Oui, moi j'en ai une. C'est déjà très bien, gardez-la précieusement. Mais je la montre un peu trop, genre, tu sais, en mode... Mais c'est ça. Pas ici. Vous êtes déjà allé en Averne plusieurs fois? Jamais, je connais juste. J'ai beaucoup appris à Candlekeep, avec Sylvira. Donc... Je suis experte, je lis beaucoup. D'accord. Le savoir est important. Donc notre guide pour l'Averne, c'est quelqu'un qui a lu des livres. Oui. Pas mal ça. Que de la théorie. Ça fait combien de temps que vous avez cette teinture? Mes compagnons sont des chèvres, un paladin, un nain. Voulez-vous que je vous dise? Vos compagnons... Je crois que vous oubliez les muscles. Et les muscles, si vous voulez. Pas dire. Les musclés. Là, je parle de vous. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez aucune expérience de l'Averne, à quel moment vous allez vraiment nous aider? Avez-vous lu des livres sur l'Averne? Écoutez, connaissez-vous un petit peu? Vous ne connaissez même pas les pièces d'âme. Je crois que j'ai vu l'Averne pour les nuls à la bibliothèque du coin. Alors, vous pouvez essayer d'y aller sans moi, mais je rirais bien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des volcans en Averne, mais c'est tout. Il m'énerve. Ils font une super beau, c'est ça? Oui. Apparemment, l'eau locale s'appelle la Volvic. Apparemment, qui sponsorise, ils n'ont pas eu ça. Écoutez, si vous êtes prêts à nous accompagner, vous venez juste pour simplement par curiosité, c'est ça? Par curiosité, il faut que je découvre l'Averne et autant venir avec des gens. Ok. C'est plus simple. Mais qu'est-ce qui nous dit que là-bas, vous n'allez pas vous entendre avec des gens qui nous voudraient du mal? Je les connais pas encore. Alors, peut-être, certes. Ouais, parce que pour le moment, je suis avec vous. Ouais. Mais vous avez pas l'air de nous porter spécialement dans votre cœur. Je ne vous connais pas. Ouais. Je ne porte personne dans mon cœur. Surtout pas les gens dans cette taverne. Regardez ces gnomes. Oui, ça, là-dessus, c'est un point sur lequel on est d'accord. Il est quand même plus mignon que le nain. C'est vrai. Okay, d'accord. Je l'aime beaucoup. Mes chèvres salies, très bien. Je me permets... Disons que si vous nous suivez et que par inadvertance, pendant un combat, vous perdez cette ceinture. Je suis quand même curieux de savoir ce qui va se passer. Vous savez, je maîtrise le ki. Elle ne peut tomber. Très bien. Qu'est-ce que c'est le ki? J'en sais rien. Le ki est un savoir. C'est le pouvoir des moines. Et je peux faire tout ce que je veux. Je peux arrêter un petit peu le temps, je peux arrêter les projectiles, je peux ralentir ma chute. Vous pouvez arrêter le temps. Avez-vous appris avec Maître Dio? Je ne connais point votre Maître Dio. Je connais Maître Aura. Je jette une chopine en direction de Magla. Comment tu t'appelles? De Fumble. Qui est Magla? C'est Magla. Oui, c'est un nouveau perso. Je jette une bière en direction de Fumble, voir si elle est capable vraiment d'arrêter les objets. Bon, j'utilise mon ki. Ok, donc tu peux aussi me faire un petit test de sauvegarde de dextérité. En plus.
s'il te plaît. Et tu as avantage. Écarte-toi. Oui, sympa. Oui, bah oui. Écartez-vous. Merde. La ceinture tombe. T'es prête? Fin de non. Yate. Okay. Qui c'est qui m'a mis là, putain? Donc le D20. Ok, j'utilise mon D20. J'ai fait encore 5. Avantage. Je relance. Tu peux relancer. T'as l'avantage. J'ai fait 4. 3. Ah, pas mal. Alors là. Elle est déjà intégrée, hein, je en sais. En fait, tu mets ta main devant. Et en fait, tu la mets un poil trop tard. En fait, la chope est déjà passée. T'as comme une réaction, mais. En retard. Ah, alors. Le groupe est atterri. C'est alors, j'arrête des objets. Une chope et je lui balance dans la gueule. Bah pareil, puis petit test de dextérité s'il te plaît. D'accord. Moi quand je vois ça, je l'attrape avec la tête. Bah en vrai, je l'attrape que moi, il y a pas de problème. Bon bah en vrai, tu te le prends dans la tête, hein, si tu peux pas l'esquiver. Donc, je mets un coup de boule. Et donc, je te regarde des. C'est moi aussi j'arrête les objets. Alors le gnome arrive. Mollo avec mes chopes quand même. Oui, excusez-moi, c'est celui à qui on met des claques. Ma robe est dégueulasse quoi maintenant, merde. Linkus, c'est celui à qui tout le monde met des claques. Non, c'est l'autre. En fait, il est visiblement en train de préparer des plats et de mettre des broches. Et vraiment, il y a des gens à chaque fois qui passent, ils mettent des petits taquets. Alors des fois, ça peut sembler amical, sauf que quand vous en prenez une trentaine à chaque fois que le gars passe, c'est un peu chiant quoi. Mais non, c'est vraiment c'est Suri qui s'occupe de vous, qui a l'air d'être le tenancier en tout cas du lieu. D'accord. J'interpelle Suri. Oui. Hey, Minus. Oui, bon, allez-y. Dis-moi, tu saurais pas où est-ce qu'on peut trouver Zapetito ? Il t'indique. Il est là-bas, là, tout seul à sa petite table. Ok. Il est un peu bizarre, hein, je vous le dis. Il est un peu. Bizarre, c'est-à-dire, il est pas très aimable. Ouais, pardon, il parle de manière bizarre, il parle tout le temps de lui à la troisième personne. Ah. Des fois, si vous voyez en train de se lever, vous allez voir, il met une démarche un peu étrange. Mais bon, il sent un bon payeur, donc. Quand il passe, il vient de temps en temps, deux, trois fois dans l'année, ce grand max, des fois, une fois dans l'année. D'accord. Mais c'est quelqu'un de bien, il est un peu chelou, mais c'est quelqu'un de bien. Oui, puis les gens qui ont un égo surdimensionné, il y en a beaucoup ici, vous inquiétez. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Je vais pas me faire la blague de la taille, évidemment, mais. Mais bon. Elle parlait d'elle. Ah. Non, mais c'est ok. Non, mais après, juste. Mollo sur les shops, quand même. Ouais, non, ils font connaissance. Oui, mais je la connais. Eh ouais, mais c'est une coutume chez les ogres. C'est ce qu'on fait souvent pour dire bonjour, vous le savez très bien, vous êtes habitué. Bon merci. Ouais. Bah du coup, on se dirige vers lui, non? On va lui rendre visite. Hein, table et je vais vers lui. Ouais. Donc là, on est tout à fait d'accord que j'arrête les objets. C'est dans la nébuleuse pour le moment. Oh, non, moi j'ai bien retenu. Ça tonte beaucoup, mais... On en reparlera sur une shopping tout à l'heure. On en reparlera si tu veux que j'arrête les flèches qui arrivent sur ta tête, là. On verra, le petit sera peut-être là. Oui. J'ai un peu coupé court parce que j'étais hyper gêné, en fait. J'étais vraiment... Je savais pas me foutre, j'étais là, vite. Mais du coup, on va le voir, on va en groupe vers lui, non? Il tente d'aller le voir, donc du coup, on avance vers lui et je lui dis « Seigneur Zalando, nous voudrions faire des achats. » Alors déjà, t'as face à toi un espèce d'homme qui est un humain, visiblement, il a une tête, enfin, il a l'air d'être vieux, mais il a une tête assez jeune. D'accord. Comme, par exemple, un enfant qui mettrait une fausse barbe, tu vois. Genre vraiment, il a un aspect comme un peu... Si c'était un déguisement, c'est quand même mieux fait qu'Eventis, parce que ça, tu vois, vraiment, ça a l'air vraiment physique, quoi. Enfin, l'aventure, pardon. Ouais, ouais. Et il te regarde, Zapetito n'est pas Zalando, monsieur. On m'a dit que vous étiez le maître de la vente, achat et vente, donc... Zapetito vend des minerais bruts, des gemmes. D'accord. Et quand des fois il se lève et en fait t'as l'impression que son corps est cassé en deux. C'est-à-dire que des fois il fait ça comme ça. Cassé en deux? Bah comme s'il y avait deux parties en fait. Comme s'il y avait deux parties de corps en fait. Deux parties de corps Et il sort une espèce de sacoche. Ouais. Il met son bras dedans et en fait tu vois qu'il met son bras vraiment vraiment loin. Vraiment t'as l'impression que c'est un sac sans fond. Et il sort des minerais, des gemmes, et il sort deux, trois anneaux qui ont, quand il les pose sur la table, il semble y avoir un petit givre qui se pose sur la table en bois. Ça me parle ça ou pas? Ça pourrait te parler. Tu me fais peut-être un test de connaissance sur ton métier ou... Du coup ça c'est un test de quoi? Tu pourrais me faire un test... Qu'est-ce que tu pourrais me faire? Arcane? Ouais, plutôt arcane, ouais. Ok. C'est moi un test d'arcane. J'hésitais entre arcane et histoire, mais... 12 plus 3. 15. Alors, ça s'appelle un anneau surgelé. Et ça protège du feu. L'anneau picard. C'est pas le picard, c'est ce que je veux dire. J'ai hésité longuement à l'appeler l'anneau picard, mais je me suis dit, peut-être que t'en as pas la ref. Ok.
Et je sais ce que ça fait ou... Oui, tu sais ce que ça fait. C'est quand même intéressant pour nous, Aventure. Oui, ça dépend de l'utilité. Alors. Et du coup, ça fait quoi? Ça protège du feu, ça donne ah, okay, une résistance. J'ai pas entendu. Voilà quoi. Donc, résistance, pour rappel, ça vous permet d'encaisser la moitié des dégâts reçus si un attaque de feu. Aventure. Oui. On va le prendre. Achète-le si tu veux. Oui, mais pas de problème. Tu possèdes une bourse assez conséquente. Combien ton argent hein. C'est ça. Pendant que les deux discutent, moi je pose des pièces et j'achète la bague. Ah. Tu poses combien de pièces sur la table? Je sais pas, ça en vaut quoi ça? Bah tu l'as pas demandé, personne l'a demandé pour l'instant. Non. Je lui pose une boursinette de pièces. Je dis pas que la... mais qui les bêtes demande le prix? C'est sûrement plus que tu donnes. Demande le prix. Ah combien, mais j'ai pas dit que je donnais la boursinette. J'ai dit que je posais. Oui la mais ne mets jamais ta boursinette devant quelqu'un. Zapetito vous propose 300 pièces d'or. Jamais ta boursinette devant les gens. Oui. Sans consentement en plus. C'est beaucoup. 300. Oui, c'est alors beaucoup, oui. C'est beaucoup. 300 pièces d'or. Mais Zapetito vous offre une autre bague en plus si vous prenez cette bague à ce prix-là. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi votre? Il te montre une autre bague qui sort de son. Vraiment il fouille dans son sac. Il sort une bague avec une sorte de gemme d'une couleur un peu violacée. Et la pose à côté, et ça a l'air, elle a l'air d'avoir une espèce de réaction avec le monde qui l'entoure, mais vous n'arrivez pas trop à saisir les tenants et les aboutissants de cette bague. Vraiment, quand il la pose, ça se voit clairement qu'elle est magique. Elle dégage quelque chose, dégage presque une aura. Mais vous savez ce que ça fait, ou Violette, c'est juste un bijou de... qui est joli quoi. Alors, Zapetito croit que c'est une bague de protection mentale. D'accord. Zapetito, est-ce que vous prenez les lingots d'or? Oh bien sûr. Vous savez très bien que vous... Enfin, on se connaît... Mais votre nom me dit quelque chose, oui, vous êtes de quel clan Humnir. Ah, j'ai fourni votre famille, Zapetito a fourni à votre famille. Donc vous savez très bien que là, donc je pose 5 lingots d'or devant lui. Ok. Et je fais, pour cette somme, ça vous dit les deux bagues? Et puis vous revendez ça à ma famille. Tu vas me faire un test de sagesse, s'il te plaît, avec avantage. C'est un 17 plus 1. Alors, t'as réussi tout de suite. En fait, quand il a dit le mot, quand il a parlé de lui à la première personne en disant « je connais votre famille », en fait, tu remarques qu'il porte visiblement un déguisement qui, maintenant que tu forces un peu tout en lui proposant ton offre, en fait, tu constates qu'il n'est pas seul. En fait, c'est deux gnomes, en fait, qui semblent être l'un sur l'autre. D'accord. Il y en a un qui est assis et l'autre qui porte le gnome et visiblement, tu parles au gnome qui est au-dessus. Ok, ok. Un clown. Mais... Donc pour ces 5 lingots d'or, ça suffit? Oui, largement, oui, Zapetito est très content. Oui. Très bien, bon, je vais avancer les 5 lingots et je prends les deux bagues. Il met les lingots dans le sac, on voit clairement maintenant que le sac a l'air d'être magique, quoi, parce qu'il peut pas, normalement ça devrait déborder. Et il file les deux bagues, et alors par contre vous voyez tous qu'il a l'air d'être très content d'avoir refourgué les bagues. Et il s'en va, il prend quelques vivres, et il sort de l'établissement. Et il vous remercie. Il avait rien d'autre à vendre? Il a pas l'air, en fait au moment où il a... fait la transaction, il a semblé beaucoup être, enfin, plus pressé. Enfin, il a vraiment voulu se barrer assez vite. Ok. Et on a vu. Maintenant que j'ai la bague en main, est-ce que je peux. Le monde nous tombe sur la tête. Ça s'entend qu'on a les bagues. C'est la bague qui modifie les effets. C'est la bague, mais posez cette bague. Posez cette bague. Jette cette bague. Pose la bague. Elle est incroyable. Zapetito, on revient. Le bruit. Je sais pas si ça s'entend sur le stream, mais. Ah, ça s'entend, ouais, parce qu'en gros, il y a un déluge de fou, donc on entend. Pile au moment où il a acheté les bagues. Ouais, précisons le moment. Alors, quand tu saisis la bague. Attends, j'ai monté ton son, c'est horrible. Moi aussi. Je sais que c'est la pluie. La prod me dit, c'est pas nous, c'est pas nous. Oui, ouais, on sait que c'est Zapetito. Ouais. C'est Zapetito. Ouais, quand tu saisis donc la bague surgelée, elle est vraiment fraîche. Le froid est presque un peu mordant. T'as du mal à serrer la bague. En revanche, l'autre bague, quand tu la tiens en main et quand tu t'apprêtes peut-être à la saisir ou du moins même quand tu la manipules, tu sens qu'elle a été altérée. En tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de cette bague qui te perturbe un peu. Et t'as l'impression qu'il y a une personne. Alors, t'es habitué à avoir une voix dans ta tête, mais là, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'observe. En permanence, depuis que t'as cette vague en main. Donc quelqu'un... Pas forcément malveillant ou quoi, mais genre ouais, t'as l'impression que quelque chose est dans la bague et t'observe. Ok. Pour essayer, je vais enfiler la bague givrée. Ok, trop long. Ah. Donc la bague givrée, tu te sens frais. Faut pas chercher avec lui. Hein. Tu te sens beaucoup plus frais et tu sens que le feu du foyer t'impacte moins. Ok. Maintenant, HRP, tu as une résistance... une résistance aux dégâts de feu. Donc et les dégâts de feu réduits de moitié. Réduits de moitié. Ah ouais. Et la bague je vais la conserver, dans là où je mets toutes mes bagues. Ok. En attendant. Ça marche.
Mais l'autre, il s'est tiré, là. Il s'est tiré, ouais. Mais on s'est encore fait gauler pour les objets magiques, c'est incroyable. On va jamais en avoir, ni avec l'autre, là, ni avec je lui. Pensais, je pense pas qu'il en avait tant que ça avant. Tu devrais essayer la bague violacée. Essaye la bague violacée, mon ami. C'est vrai. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il a pas beaucoup d'objets magiques, en plus. Oh, ce serait une bonne idée. Moi, je pense qu'elle tirait très bien au petit hein doigt. 200 pièces d'or. Non, je l'essaye, je te la vole pas, je te la rends dans deux secondes. C'est juste pour voir ce qu'elle fait. 200 pièces d'or et elle est tienne. Allez, et ben je vais boire un coup et je sais pas ce qu'elle fait, ta bonne farce à trappe là. Tu me la rends là hein. Oui, promis, je te la rends. Je la prends et je lui donne. Ok. Je l'enfile au niveau alors, de mon doigt. Quand tu mets la bague, t'as l'impression pendant un moment d'avoir un flash d'un vieux gnome qui rigole. Genre un vieux gnome qui rigole. Un papy gnome qui rigole. Mais genre ça te prend une fraction de seconde et maintenant effectivement tu sens une présence. Qui vagabonde dans ton esprit, de temps en temps t'arrives à l'attraper un peu une idée, c'est encore vague, mais tu sens que cette bague semble être habitée par une âme de gnome. Un vieux gnome qui te souffle gnome dans le cou, tout le temps. T'es bien beau mon mignon, il dit ça dans ta tête. Alors Luke, que se passe-t-il? Une gnome. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai l'impression que c'est habité par un espèce de petit personnage un peu chum. Il te ressemble d'ailleurs, attends, je te rends ta bague, je te l'avais promis. Attends. C'est un prix de merde. Ça arrive. Putain. Il est toujours comme ça. Oui, tous. Je te la rends. Si tu la rends pas, c'est 200 pièces d'or. Je te la rends tout à l'heure, je te jure. Non, tu veux crash dessus? Vas-y. Aspersion d'acide. Aspersion d'acide. du coup, ça doit le brûler un peu comme ça. Ils font des dégâts au moins, ou pas? Ça va partir. Non. Putain, merde. Il y a le doigt, Alec. C'est arrivé. Si tu peux l'essuyer avant, quand même. C'est bon, la save de chèvre. Elle est dégueulasse, oui, la bague. Voilà. Mais qui sont ces gens? Merci beaucoup. Allez, tiens. Vous avez du sang ogre un petit peu, mais sans ceinture, vous. Quand tu récupères la bague, t'entends dans ta tête plutôt un sentiment de dégoût. D'accord. C'est pas une voix, c'est plutôt tu ressens du dégoût, mais qui vient pas de toi. Enfin, pas un dégoût, c'est pas toi qui ressens le dégoût, c'est un autre truc qui ressent le dégoût. Ok. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Suri, il est où l'autre, là? Tu vois qu'il se balade, il arrive. Oui, je peux peut-être vous donner. Tu sauras, on peut trouver Barnabé. Barnabé. Le mec chelou qui vend des plantes bizarres? Ouais, probablement, ouais. C'est la plante fugace, un truc comme ça, sa boutique elle change tout le temps de nom, c'est trop bizarre. Tu comprends pas, il change de place. T'as pas l'air sûr de toi, faut pas confondre. Non, mais sa boutique change en fait, régulièrement. C'est toujours le même gars, mais sa boutique elle change d'emplacement régulièrement. Donc, Tu l'as vu quand la dernière fois? Il y a 2 jours, 2-3 jours peut-être. 2-3 jours? Ouais, peut-être, ouais. Et elle est où? À 3-4 rues d'ici. Je peux vous indiquer, y a pas de problème, c'est pas très loin. Ouais. Il n'y a personne d'autre dans le foyer qu'on devait voir? Si, il y a Troxigor. Non, Troxigor, non, c'est le mage qui est à 30 km d'ici. Okay. Pardon, que devez-vous faire avant de partir en Averne? Là, on doit un petit peu faire nos adieux. Ah, très bien. Disons qu'on a. Voilà, si on peut essayer de faire. Moi, j'aimerais, je sais pas vous, j'aimerais faire un petit peu de stock de potions de soins. C'est une très bonne idée. Oui. Je pense qu'on en aura besoin. C'est le genre de ressources dont nous avons besoin, contrairement à des bagues surgelées. Merci à tous. Alors, ou des bagues avec des vieux gnomes à l'intérieur. Petit moment, j'ai demandé à l'entité supérieure qu'on appelle la Haprod, évidemment ici, de lancer le premier vote viewer, s'il vous plaît. Et on va voir ça dans quelques instants. Je vous en prie, désolé. Très bien. Non, bref, voilà. Simplement essayer un petit peu de s'équiper avant de partir en Averne. Quelque chose me dit qu'on va prendre quelques petites tartes. Et j'ai l'impression qu'il a déjà commencé à prendre des tartes, notre cher, et puis pas que des tartes. Il devrait se reposer un petit peu. Non, pardon. Excusez-moi, c'est la dernière soirée. Mais faites des réserves, faites beaucoup de réserves avant de partir. Mais bon, cette robe, elle est pas ouf. En fait, j'aimerais bien une armure, parce que... Vous avez une idée d'où on va arriver quand on effectuera le passage par portail? Je vous l'ai dit, la topologie change tout le temps. Okay. C'est changeant, ça va être compliqué. On va essayer de comprendre où on est. Mais de toute façon, là où on va arriver, ça sera la merde, hein. Quel que soit l'endroit. On discute pendant qu'on marche à la boutique, on est d'accord? Comme vous voulez, vous pouvez rester dans le foyer, je pense. Ouais. Et vous êtes, est-ce que vous êtes familière avec l'entité Zariel? Absolument pas. D'accord. Non, mais je pense qu'on trouvera des infos. Si on peut trouver des tours de savoir ancien, ça peut être très bien. J'espère qu'on en Averne et puis on ne connaît pas Zariel. Ouais, Très bien. Il a un problème à murmurer dans sa barbe, ce gars-là ? Non, je. Oui, non, mais je commence à m'impatienter de trouver cette boutique. C'est comme le fait qu'elle peut arrêter des projectiles avec son ki. Oui. Non, mais oui. Comment il s'appelle, le nain ? Elle était pas dans ta troupe de cirque, d'ailleurs ?
Peut-être. Pendant ce moment-là, pendant qu'ils sont en train de tous... moi, je prends un petit bras en main de mage. Avec plaisir. Et je vole un peu de thune à Eventus. Quoi? Ok. Non, mais tu vois pas. Fais-moi un test d'escamotage. Alors, attends. Il y a deux séquences. La main de, ta main de mage n'est pas invisible. La mienne, ouais. L'est. Oui, mais vous êtes devant à marcher, okay. En fait. Donc, voilà. Alors, d'ailleurs, tu as des avantages vu que tu as Candle Tip, d'ailleurs. Ah, parce que quand tu castes un spell, c'est... Tu es dans les rues, ouais. Ok. Oh, putain. Alors, ok, donc 9 et escamotage, 8. Alors, tu sens qu'on est en train de te fouiller derrière. Et que visiblement, ça fouille dans les lingots, dans les pièces. J'ai plus de lingots de toute façon, donc j'attrape ma bourse et je regarde ce qui... Bah, tu vois une main de mage. Je me retourne vers Al. Vraiment? Ouais, vraiment. Vous avez pas assez d'or comme ça? Est-ce que j'ai vu la main de mage? Là, tu la vois plus. Non, mais est-ce que moi, je l'ai vu? Non. Vous avez besoin de faire les poches comme ça? Mais de quoi vous parlez là? J'ai vu une main de mage en train de me faire les poches. Mais ma main de mage, vous pouvez pas la voir. Mais j'en sais rien, je sais que vous êtes le seul à pouvoir le faire. Vous voulez que je vous montre? La mienne, on la voit pas. Bah oui, bah dans ces cas-là, vous faites semblant de lancer une main de mage et vous dites que je la vois pas. C'est facile, oui. Mais j'ai rien fait du tout. Mais je viens de voir une main de mage en train de me faire les poches. Vous voulez voir mes poches? Bah non, parce que vous n'avez rien volé, je viens de l'interrompre. Mais j'ai rien fait du tout, ça suffit d'être paranoïaque comme ça là. Vous, je vous ai à l'œil. Vous êtes vraiment un groupe soudé? Je commence à avoir peur. Non, pas lui. Là. Lui, faites attention, il fait la poche à tout le monde. J'ai rien fait du tout. Ah, non, non. C'est devant vous. Hein. Alors, pendant que vous êtes en train d'aller en direction de la boutique de Barnabé. Attends, on voulait faire un bras de fer. Non, j'ai pas le temps. Je viens de voir le personnage, c'est bon. Je pendant que vous êtes en train d'avancer, il y a un vieil homme qui attrape Nindaria par le. Un vieux mystérieux. Par la manche. Kirkis, et qui te regarde et qui fait. Vous voulez pas des objets magiques? Ma petite. Mon instinct me dit que vous voulez des objets magiques. Oui. Et ceux qui observent la scène, sur certains, vous reconnaissez Hologma. Ah, du coup, oui. Le bandit manchot. Mais oui. Coaching. Hey, on se connaît, nous. Oui, oh, mon grand. Je te montre le foulard. Oui. Il a bien servi, hein. C'était pas que pour la pluie. Ah, vous avez d'autres trucs qui brûlent les gens? Peut-être. Ok, cool. Donnez-moi des pièces, j'ai un petit jeu, votre ami, le grand garçon, on la connaît le jeu. Oui, je connais bien aussi. C'est un très bon jeu, honnêtement, je te le conseille. Combien? Vous mettez 3 pièces de la valeur que vous voulez N'importe quelle pièce. N'importe quelle pièce. Argent. Et moi, j'ai aucune notion de l'argent, du coup, je sors ma bourse, j'en fous partout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, là, ça coûte cher, ça, c'est bien. Alors, attends, récupère ton argent, garde-le déjà, ne le montre pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ça? Lui? Oh, je sais pas, mais combien du coup? C'est alors, quoi ça, cette pièce? Fumble, ce vieux monsieur, tu l'as déjà vu traîner au foyer. Très bien. Voilà, c'est un gars un peu. Un vieux. C'est un mec chelou et tout? Il est pas chelou, il est plutôt. Vieux. Non, mais pour nous, il est même plutôt non, sympathique. Il est plutôt vivant, il t'a déjà offert des coups, il est déjà. Voilà, c'est un des rares qui t'a jamais dénigré. C'est-à-dire qu'il est allé naturellement vers toi, il a l'air d'être vraiment. Amical. Il est sympa, mais garde ton argent et regarde un petit peu. Tu peux pas te dépenser comme ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, petite précision, le livre sur le savoir de Hogma, c'est lui qui te l'a offert. Oh. Ah, il est vraiment très sympathique. Ah ouais. J'espère que vous allez bien. C'est passé de. On est chelou, hein, c'est mon meilleur pote. En fait. Non, c'est mon père. Vous savez, la ceinture, des fois, c'est un petit peu un retardement sur l'intelligence. Mais lui, il faut lui insérer une pièce et après, il y a un truc qui sort. Lui insérer une pièce, ça dépend pas. Mais qu'est-ce qu'elle vous a inséré? Une pièce et. Arrêtez de vouloir m'insérer des trucs. Bon, bah, du coup. Tu veux acheter quoi? T'étais dans une autre époque. Je sais pas, il dit pas ce que. En fait, on donne une pièce et il fait pop des trucs. Il fait bah donne une pièce alors. Ok. Dans trois. Je n'ai jamais vu ça. Vous m'avez caché trois ça. Trois pièces et je. Bah, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais joué à trois jeu. Trois pièces, mais je. Alors il prend ça des pièces. Tu. Bah, ton... Bronze, argent. Tu lui insères du coup. De bronze, j'ai aucune idée. Des pièces de cuivre, hein, de bronze. Ouais, ouais. Il les met au sol en ligne. Il en choisit une. Attends, tac. Ok. Et ma chère Minderia, il sort un coffret. De sa main, la pièce se transforme en un coffret en bois. Il te le montre, il te l'ouvre. Et dedans, il y a trois petites figurines de bouc, en ivoire. Ah. Oh, c'est votre famille, ça. Encore des chèvres, hein. Sur les figurines en ivoire, lorsque tu commences à porter ton regard dessus, il s'inscrit en infernal. Il s'inscrit dessus « Voyage, labeur et terreur ». Et il te l'étend. D'accord.
Bah, je les prends, du coup, et je les regarde, mais je sais pas du tout à quoi qu'est-ce se faire. Qu'est-ce qu'elle fait, cette boîte? Bah, qu'est-ce dedans, il y a des figurines de forme de chèvre. Et il y a marqué des présages, je crois, j'imagine. J'imagine que c'est leur nom, mais... Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Et du coup, c'est quoi? Si je les jette sur quelqu'un, il se passe quelque chose? Ça va faire mal. Essayez. Je regarde vraiment Aventure. Pourquoi vous portez un regard insistant vers moi? Je m'éloigne un peu d'Aventure. Je reste un petit peu loin. Labeur. C'est ça? Labeur. Quand tu dis le mot labeur, la figurine se met à trembler. Donc là, elle tient une figurine en me regardant comme ça, là. C'est ça. Vous aimez pas les chèvres? Je crois que t'aimais les chèvres. Je lance Terreur. Je lance Ténèbres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment il fait des emplacements de sorts? Tu peux rappeler ce que fait Ténèbres, s'il te plaît? Je fais une boule de ténèbres autour de moi avec un rayon de 4,50 m. Et je lance sur mon épée courte pour que ça reste attaché à moi. C'est vrai que le vieux Logma, il a l'air de vous regarder un peu, il a pas l'air terrorisé. Mais il est un peu en mode, plutôt il vous juge quoi. Ouais. J'aurais dû rester voir des coups à la taverne Je me mets à côté de lui. Ouais, genre, il te regarde un peu. Et ils sont comme ça tout le temps. Ah, c'est. Ça va être chiant. Hein. Ouais. Du coup, je range, je referme et je dis prochaine fois, tu pourras pas te cacher. Et je la range. C'est bon, elle a terminé la chèvre? Pour le moment. À travers les ténèbres. je reste dans mes ténèbres pour le moment. J'écoute. J'ai envie d'essayer un petit peu là, moi aussi là. Si vous voulez, avant que je sois fatigué, je vous avoue que j'ai eu une dure journée, mais si oui. J'ai trois pièces d'or. Très bien. Trois pièces d'or. Eh bien, mon cher Al, il te fait apparaître une hache. Enfin, okay. Plutôt une hachette, qui a l'air pas d'être très utile pour le combat. Ça fait un peu hachette d'apparat. Et dessus semble être marqué des choses en runique. Du moins dans une langue qui... Nain ? Ouais, qui te fait plus penser à du nain. Je déteste. Et la hache, quand tu la touches, semble se lier à toi. Tu sens que cette arme, désormais, tu ne fais qu'un avec cette arme. Enfin, du moins, cette arme d'apparat. T'es content, là, hein ? Al, qu'est-ce que c'est que cette arme ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression de voir une aura mystique autour de... C'est... Oh, bah, vous avez de la chance, vous avez vu la hachette de tout partout. De tout partout? Tout partout. Tout partout, c'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un chef de caravane tribal qui aimait bien être partout. Très bien. D'accord. Ok, est-ce qu'il y a... tu me vois pas, je suis dans mes ténèbres. Tu le vois plus. Qu'est-ce qui se passe quoi? Il y a vraiment une boule de ténèbres. Est-ce qu'il y a un objet que je peux briser qui serait pas trop gênant autour de près de moi? Il y a des pots de fleurs, des trucs comme ça. Une petite boîte ou un. Il y a des petits bancs et des petits trucs. Bon, un petit pot de fleurs. Et je mets un swing sur le pot de fleurs. Le pot de fleurs se casse. Il se passe rien d'autre? Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait cette hache? Écoutez, moi je sais pas trop. C'est une hache d'apparat. Il avait alors. On raconte qu'il avait l'habitude de lancer les objets. Donc peut-être que. Ok. Je regarde, j'essaie de voir sur de prendre de la distance. Avant ça, au moment où j'entends le pot casser, je le. Il se passe quoi? Mais qu'est-ce qui a cassé un truc? Sors de ton truc là. Mais non, oui. Tout tourne pas autour de toi. Non, mais il y a la chèvre, elle me pointe avec des statues là. Mais c'est bon là. Je l'ai rangé. C'est bon, elles sont rangées. Tu vois, ça. Mon grand, votre ami, il boude. Non, c'est bon, je. Pourtant, je crois que je lui ai déjà fait le petit jeu à votre ami là dans la boule. Eh, mais bon, vous savez ce que c'est. On a beau les cajoler, mais on flippe tout le temps. Il n'a pas l'air, oui, c'est vrai que... Mais dites-moi, il vous en reste encore un petit... Parce que moi, la dernière fois... Je peux vous faire un dernier tour, mais après, je suis fatigué, je vous avoue. Je peux finir de tester. Oui, vas-y, vas-y. Je me prends de la distance et j'essaye de jeter la hache sur un pot de fer. Alors, quand tu lances la hache et que la hache se plante dans le pot de fer, c'est pas non plus elle se plante facilement, tu vois, c'est plutôt... Elle tient un peu, tu vois qu'elle commence à tomber. Okay. Vous voyez Al qui se téléporte au niveau de la hache et tu as le pommeau de la hache dans la main. Oh, c'est trop bien. Et là, tu regardes ta main et ta main est légèrement brûlée. Alors que pourtant tu as une affinité avec le feu. Jure, c'est trop bien. J'ai pris des dégâts ou pas? Non, mais tu sens que...
Il y a quelque chose. Alors en fait, genre, j'ai mal, mais je suis juste trop heureux. Genre, oh, c'est trop bien. Genre, vraiment, je bug sur ma hache pendant 10 minutes. Voilà. Mais Al, comment avez-vous fait? C'est prodigieux. Je sais pas, mais c'est incroyable, tiens, j'adore. Tu vas me faire un test de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ok. Ah, c'était trop beau. Il va garder les runes gravées à vie dans sa main. 17. 17 plus... constitution plus 1. Alors, tu sens que ça t'a retourné le bide. C'était à la limite de vomir, mais ça a été. Ok. Vous avez transplané. I hate portals. Ok. Très bien. Mais je suis quand même trop heureux. Je dissipe mes ténèbres. Il va falloir penser à mettre des gants. Oui. Ouais. Peut-être que la bague de notre cher ami contre le feu pourrait être utile. Il s'est passé quoi? J'ai déjà un truc pour le feu, moi. Ouais, mais ça suffit pas. Oui, d'ailleurs. Olomba se dit, ça m'étonne que ça vous brûle. Parce que d'habitude, vous, les tiflins, vous êtes un peu quand même... Ouais, ouais, non, mais c'est un petit peu énervé. Hein. Ouais, bah, ça a l'air. Ouais. Ok. Cachez bien son jeu, tout partout, quand même. Ok. T'as bien longtemps. Ok. Donc c'est la hachette tout partout. C'est la hachette tout partout. Je te tends 3 pièces d'or pour le dernier tour, et après, nous en irons. Vraiment, je suis un peu fatigué, hein, mon jeune ami. Il prend ta pièce. Et puis l'item. Il sort une belle chope en or, qui est couverte de pierres qui semblent précieuses mais que vous n'avez jamais vues. C'est-à-dire que vraiment, quand vous forcez le regard, même toi, Aventure, ces pierres, ça se voit que c'est précieux, mais vous n'avez jamais vu ce type de pierre. Et il te la donne et il dit bah, c'est la chopine. Cadeau. C'est la chopine. C'est la chopine. Elle te va bien, non, celle-ci. Mais... À quoi tu penses, mon cher Hook, quand tu prends la chopine? Ben, j'ai très envie de... Il n'y a pas un abreuvoir à chevaux à côté? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, quand tu penses à un abreuvoir à chevaux, il y a de l'eau qui apparaît en tourbillon. C'est terminé. Fin de l'aventure, les amis. C'est terminé. Mais qu'est-ce que c'est? C'est fini. Retirez-lui des mains. Hein. Je ne le connais pas encore, mais retirez-lui des mains. Hein. Et donc, ok, il y a de l'eau qui apparaît dans ma chopine? Bah, peut-être. Je sais pas, montrez-moi. Ouais. Ben, je te montre. Ah, bah, c'est de l'eau, oui. Ah, oui, c'est... Je vire le bordel. De l'hydromel. Et t'as de l'hydromel qui apparaît dans la chambre. Miracle! Miracle de la vie! Allez hop! Et j'en bois une gorge. Mais quelle est cette magie, Hook? Tu sais pas ce qu'il y a dedans? Ça se trouve, c'est empoisonné. Attends, et si tu penses à autre chose? C'est la meilleure hydromel de ta vie. Oh, elle est d'une qualité incroyable. Goûtez. C'est pas très Covid. Moi, je veux bien goûter. Alors. Ah, c'est fort, hein? Ah, c'est revigorant. Et le vieux Ologma commence à tranquillement vous... Il a du mal à parler. Plutôt, il vous tapote un peu le dos, ou s'il arrive à vous atteindre le dos, il dit oh, « je vais me coucher, je suis... » Et vous voyez qu'il vraiment, il a l'air d'avoir couru pendant des heures, il a l'air d'être lessivé. Et vous voyez partir un peu au loin, un peu en titubant dans les ruelles de Kendallkeep. J'essaie de me concentrer un peu sur lui. Est-ce que je détecte une forme de magie qui peut émaner de lui ou... Alors, plus tu essaies de te concentrer sur lui, et plus tu as l'impression de l'oublier. Bon bah du coup c'est qui lui? Pas de réaction du coup. Non mais vraiment là tu dis moi j'ai croisé un vieux. Tu pourrais plus te redonner le nom de cette personne. Vieux. Trop bien cette hachette. Trop bien. Moi j'étais même curieux. Hein. Je vous suis. Ça a fait. Quelle est cette hachette? Hydromel. Attends, arrête, tu devrais essayer. Essaye autre chose. Est-ce que tu peux faire apparaître autre chose si tu penses à autre chose? Ouais, un objet. Un dragon, déjà. Non, il donne pas de mauvaises idées. Rompiche. Rompiche. Ça va être horrible. Alors quand tu penses à Rompiche, vous voyez Hook qui regarde et qui se prend une salve de poils et de sang avec des petits blancs. Oh. Qu'est-ce que c'est Rompiche? Me dis pas. Non. 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 Et ben voilà. Non. Tu as Rompiche. Non. C'est quoi Rompiche? C'est mon chat. Non, c'est... Oh, Rompiche! Ah, oh merde! Oh merde! Voilà! Hook, qu'est-ce que t'as fait de Rompiche? Il y a un peu de sang, il y a un peu aller. De... Oh, putain, j'essaie de ramasser les quelques poils et je les refous dans la chopine. Hydromel! Alors la chopine vibre et il y a de l'hydromel à la place du... Ah, hydromel! C'est mélangé. Il est censé être où, Rompiche? Ah, mais non! Mais attends, mais du coup, le vrai Rompiche... C'était le vrai Rompiche? Qu'est-ce que t'as fait de Rompiche? Tu viens de tuer Rompiche? La santé! Oh mon dieu! Oh Rompiche! Non!
ça me jette. Je suis désolé. Non. Je sais pas. Évite d'invoquer des êtres vivants avec ce truc-là. Attendez, on peut peut-être s'en servir pour. Et si tu dis. Si tu dis le nom du paladin. Non mais voilà, alors excusez-moi. Alors faire des tests. De côté les tests psychotiques, ça peut être utile pour se débarrasser de quelqu'un si jamais ça ne clone pas la personne. Un petit peu comme le foulard. Bah, en fait, quand ça vérifier si Rompiche est toujours en vie. Testons. Oui, il est loin. Mais pas, je ne testerai pas ça sur le. On peut pas savoir. Testons sur un passant. J'attrape un passant. Ok, teste sur Suri. Pense à Suri. Tu te souviens celui qui t'a servi. Comment vous appelez? Alors il te regarde. Le Death Note. Chef Death Note. Mais vous parlez, mais. Et il te regarde. Je l'attrape par les poches, je fais comment tu t'appelles? Oscar. Très bien, dis Oscar. Joe. Comment tu t'appelles? Attends, ton nom de famille. Oscar quoi? Oscar Wilde. Oh non, il fait quand même des super citations internet, je vais pas le niquer quand même. Je peux changer de place en plus. Tu vois, comment on fait pour choper après, c'est terrible. Sans Oscar Wilde, merde, quand même. Je déteste Oscar Wilde, donc allez-y. Merde. Allez. Bouge pas, mon ami, on teste quelque chose, tout va bien se passer. Oscar Wilde. Alors, toi, tu sens qu'il est en train de vibrer de l'intérieur. Il a l'air de faire des yeux bizarres et... Il lâche une galette et toi tu te reçois, tu vois que ça traverse ta main. Il a pas l'air d'être mort en tout cas, mais tu te reçois du sang, des os, un peu de chair humaine. Ça fait deux fois le sang quand même. Et là en fait tu te rends compte que tu le tiens, mais si tu le tiens pas il tombe. Il a l'air vraiment dans les vapes. Tu te sens comment? C'est pratique ça, tu vas garder ta shopping, ça peut être très bien. T'as envie d'écrire des trucs là? Ça peut servir. Merci Oscar, tu peux vaquer. Va écrire. Par contre, quand tu le lâches, il tombe au sol. Ah, c'est bien malheureux. Bonk. Alors continuons. Ah mais c'est très utile, parce que si on veut mettre un gars KO... Oui, c'est très très bien. On verra. Ouais. Hydromel. Non, mollo. Souviens-toi. Utilise avec parcimonie. Souviens-toi de l'épisode 2. Non, mais j'ai pas vu. C'est juste. Nettoie ta chope avant. Oui. Alors, quand il dit hydromel, la chope de l'intérieur est clean. C'est vraiment ça. Ah, j'aurais pas confiance. Ouais, moi non plus. Ouais. J'ai l'hydroalcoolique. Et hop. 30 degrés. Alors. Je suis désinfecté de l'intérieur. Ah ouais, les gestes. Donc, après cette effusion de sang, de poils de chat, d'os et de chair humaine et d'hydromel, vous continuez dans la direction qu'on vous a donnée pour la boutique de Barnabé. Ouais. Et visiblement, effectivement, la devanture a changé. Ça s'appelle la rose qui fane. Mais vous voyez bien une personne à l'intérieur en train de visiblement ranger des choses, des plantes, des fioles, ce genre de choses. Bah, moi, je rentre parce que j'aime bien les plantes. Enfin... Il y a une petite cloche, c'est vraiment une belle boutique, bien tenue. C'est un humain, qui s'appelle donc Barnabé. Et je peux vous aider pour quelque chose, ma jeune enfant? On nous a dit que vous aviez de quoi concocter quelques potions intéressantes. Ah oui, en effet, oui. Et vous avez un stock conséquent? Ça dépend ce que vous voulez, mais je peux trouver de quoi faire, oui. D'accord, ok. Du coup, je me retourne. Si vous avez des ingrédients, ça m'aiderait, ça diminuerait le coût final, mais... Du coup, moi, je pose tout ce que j'avais trouvé dans la forêt. J'avais pris des choses assez random. Et du coup, on peut faire quelque chose avec ça? Vous n'avez pas une recette ou quelque chose? Peut-être un Si, on m'avait donné une recette et du coup, je sors les papiers de recettes que j'avais. Donc, il prend le papier. Vous êtes tous dans la boutique avec elle? On y est tous, non, je crois. Moi, je rentre dans la boutique, moi, parce que... Ce que j'allais dire, toi, c'est vraiment, tu passes en mode... Je vais attendre à l'extérieur, je suis comme ça. En rentrant, moi, je me retourne vers le groupe en incluant Fumble et je dis, il y en a l'un d'entre vous qui s'y connaît en médecine, en herbe, en herboristerie. Moi, j'ai une vraie question. Il fait des potions, monsieur, là? Oui. Pourquoi on va lui acheter des trucs alors qu'on a une shopping qui nous fait pas ce qu'on veut? C'est exactement ce que je pensais. Mais c'est que pour... Bah, on sort. Si tu fais potion de vie... Non. Non mais moi je... Essaye. Je suis désolé mais moi j'ai besoin d'avoir mon stock perso. Alors... Oui, essaye. Je regarde une étiquette sur l'étal. Ah surtout que t'es blessé en plus. Dis-moi... T'as des onguents, des potions de soins. Potions de soins? Essaye. Ouais. Potions de soins. Tu sens qu'il y a un liquide qui arrive, qui est un peu rouge, transparent. Et en fait ça te fait plus penser à de la confiture. Bois. Je peux essayer si tu veux, parce que t'as l'air d'avoir bu beaucoup d'hydromel. Mais non, mais il est blessé, lui, on verra si. Mais ça va rien te faire. Laisse-le tester. Après, je peux te blesser pour que tu testes. Bonne idée. Très bien, testons. Allez, allez-y. Tu veux lui mettre un coup dans la tête? Bien sûr.
Mais il est même pas dans les shops. Si, j'étais comme ça, genre. Bon, vas-y, je t'en bois une gorgée. Ouais. Ah. Alors, tu bois une gorgée. Après, si tu veux. Tes blessures ne se soignent pas, mais c'est extrêmement sucré. T'as l'air d'avoir vraiment bu de la confiture. C'était bon. Tu te sens mieux? C'est pas mal. Mais est-ce que tes blessures, est-ce que ton cou, il va mieux? Ah, y'a. Il a toujours, ah, toujours la marque. Ouais. Bah, je vais à l'extérieur, j'attends. Peut-être qu'il faut la deuxième dose pour l'immunité ou attendre 14 jours, je sais pas. Vous l'avez à la maison, la blague, vous l'avez. J'ai la ref. Alors, Renouis, je l'ai. Yes. Pour ceux qui sont dans la boutique, en fait, vous constatez que quand il a attrapé la recette, il a un peu pâli. Il a l'air d'être un peu plus blanc. Il dit, vous êtes sûr que vous voulez faire ce genre de friandise? Oui. C'est quoi? Vous appelez comment? Alfred. J'ai compris. C'est oui, Alfred. Non, non, il juge pas. Il est bon. Ouais. C'est notre culture. C'est une culture. Ok, mais je peux vous faire. Ça a l'air d'être des recettes de pâtes de fruits, mais ça a l'air un peu. Mm-hmm. Il faudra que j'utilise tous les ingrédients que vous m'avez proposés, en revanche. Allez-y, mais juste expliquez-moi ce que ça peut faire, quand même. Ça a l'air de pouvoir. Alors, comment dire ça sans trop que vous renvoyiez votre douillette. Pas allez-y. Ça permet de dissoudre l'intérieur d'une personne. Let's go. Ah oui, donc, là on entend tout ça, on est d'accord. Hein. Ouais. Enfin, ceux qui sont ça, c'est salupé ce genre de projet, donc. Ouais. Vu que c'est un peu compliqué à faire, je vous demanderai quand même un peu d'or. Oui, combien? C'est 230. Ah oui. Qui tient les comptes 200, réellement 230 avec les ingrédients. En revanche, je vois que vous avez une très belle bague. On a du fric, on sait plus. Et si vous voulez, je peux vous la racheter pour 3000 pièces d'or. Ma bague. Pardon. Rien. Non. Quoi? Quelle bague? Rien. Ah, en effet. Et du coup, je m'approche doucement et j'essaie de tenter de le charmer un petit peu, me dire 200 et quelques, un peu beaucoup quand même. J'amène les produits. Je suis sympa. Tu peux me faire un petit test, s'il te plaît, de persuasion, s'il te plaît. Avec des avantages? Non. 4 plus 7? Mais non. 7? 4 plus 7. Ouais, charisme 18. Je peux descendre, je peux pas faire plus, je peux peut-être 200, 215 pièces d'or, 200 disons. En revanche, je me permets d'insister, la bague, est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c'est ou... Vous avez l'air d'être un peu étonné. On entend, nous, ou pas? Oui, là, il essaie de chuchoter, mais il est pas spécialement discret dans... Je me permets, du coup, ça me parle, la bague, ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Ça a l'air d'être une très belle bague. On assiste à la discussion, on entend tout, ou pas? Ouais, mais en fait, des fois, quand il commence à parler de la bague, vous voyez qu'il essaie de s'approcher de son oreille, d'être un peu plus discret. Et moi, j'ai tendance à dire... Tu ne parles pas de la bague? Oh, mais si vous voulez pas la vendre, y a pas de soucis, mais... Ok. Mais sachez que j'ai les fonds pour l'acheter à 3000 pièces d'or. Je sais pas exactement comment sont mes finances, mais j'ai tendance à claquer ma bourse comme d'hab sur la table et dire y a assez ou pas. Ouais, il me faudra un peu plus, mais je peux. T'as 330 PO. Je peux. Donc c'est bon. Bah. Écoutez, il prend. Et tu vois qu'il te rend de l'argent. Oui. Et écoutez, repassez demain et je vous ferai ça. Ça demande un peu. Je prends un risque à vous faire ça ici, mais. Et est-ce qu'il reste d'argent, ça servirait pour une petite potion de toit ou... Alors les potions sont à 50 pièces d'or. On la voit mettre tout son argent et lui qui l'arnaque. Ça fait du bruit. Non, il n'a pas l'air de l'arnaquer. Vraiment, tu vois qu'il compte, juste... Elle a 330, ça coûte 200. Ouais, mais il lui rend de la thune. Il lui a rendu. Ah, oui, et justement, c'est là où je dis... Juste, imagine, t'as quelqu'un qui arrive avec plein de centimes à la caisse, et il est en mode, bon bah vas-y, go. Alors, 1, 2, 3, 4... Et du coup, il me rend l'argent et du coup, je prends une potion en plus de soins. Ok, très bien. Voilà, et le reste, je récupère. Combien les potions de soins? 50 pièces d'or, mon bon monsieur. Attends Al, juste un truc. Je t'emmène dans un coin de pièce. Ouais. Je reprends ma shop et je demande or liquide. Alors quand tu liquid gold. De l'or liquide, tu reçois une vapeur à la tronche et ça a l'air de t'attaquer un peu les naseaux. Mais il y a pas d'or là-dedans. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est plutôt MP. Ça fait vraiment ce serait complètement con de pas essayer or liquide, ça se trouve. Oui, non, mais ça m'a pas l'air d'être parfaitement C'est pas très. Non. C'est un peu dangereux des fois ton truc. Je pense qu'il va falloir se contenter de l'alcool avec ça. Ouais, bah, je crois bien. Hein. Et éventuellement faire gerber les gens. C'est toujours ça. Ou de l'eau aussi, visiblement, ça fait pop de l'eau aussi. Ouais. Quel genre de potion vous vendez autre que des potions de soins? Je sais pas, vous cherchez quoi? Je sais pas. Avez-vous de la taureau rouge? Ah, la taureau rouge. Oui, ça donne de l'énergie. Donne des ailes aussi, on dit. Et des ailes. Mais non. Très bien.
C'est pas sponsor, donc non. On dit à l'oreillette que c'est non. Non, non, mais je peux vous avoir des potions pour permettre de résister à certains éléments. Complètement. Potions de soins, pas complètement, évidemment. J'ai quelques produits, mais vu que je n'ai vous débarquez de nulle part, j'ai pas très très confiance en vous, donc. Ouais, enfin là, je veux dire, on vient de faire une transaction avec vous. Vous pourriez peut-être un petit peu nous tendre la main. J'ai fait une transaction avec elle. Ouais. Enfin, elle fait partie de notre groupe, n'est-ce pas, derrière. C'est vous qui ça dépend. Hein, en termes de. Sauf quand on refuse la pêche. Ouh, ça attaque. Mais enfin, vous voyez, je veux dire, on est proche. Oui, oui. Mais... je prends, en fait, je vous le dis, mon bon monsieur, je prends un risque à faire ce qu'elle m'a demandé de faire. D'accord. En tout cas, cette devanture et ce visage, je prends des risques. En termes de. Comment ça, ce visage? Ce visage? Vous imaginez bien que je vais pas faire un truc comme ça avec une identité pareille, hein. Un petit humain frêle comme ça. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes pas la personne qu'on est en train de voir là? Si, 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 je suis bien Barnabé. Il esquisse un bon sourire, je suis Barnabé. Curieux, votre histoire. Bon, je vais pas vous le dire, mais. Tu bluffes, Martin. Tu bluffes, Barnabé. Bon, pour les potions de résistance au froid par exemple, au feu pardon. Au feu, je peux vous les faire à 75 pièces d'or. Mais si vous en prenez plusieurs, je peux descendre un peu le prix. Vous avez des potions de soins supérieurs? Non. Malheureusement, c'est un peu rare de nos jours d'avoir autant d'ingrédients pour faire autant que jouer. Donc je préfère avoir de la quantité, si vous voyez ce que je veux dire, que de la qualité pour ce genre d'objet. Y a-t-il un listing de ce que vous avez comme potions très rapidement Je vous ai dit, des potions de résistance avez-vous à un différents site internet éléments. J'ai un Skyblog. Très bien. Oh, vraiment. Vous êtes de l'ancienne école. Oui. Rappelez-moi combien la potion de soin? 50 pièces d'or. 50? Bon, écoutez, si je vous en prends 5, vous me les faites à 40 unités? Allez. Allez. Allons-y. Moi, je vais vous prendre 2 potions de résistance au feu et une potion de soin. Et je vous propose de vous payer 50 PO et je vous donne 2 bagues de mon clan. Je lui présente 2 bagues. En échange. Il les regarde, il les analyse un peu. Il dit ouais. Alors je veux bien. Et il y en a une qui m'a l'air un peu abîmée. Hein. Laquelle? Il te montre la deuxième que tu lui as donnée. Et effectivement, en regardant, t'avais pas vu tout de suite, mais elle semble avoir quelques rayons. Je la récupère et je lui en donne une autre. Ok. Est-ce que vous avez. Partons là-dessus. Est-ce que vous avez des potions de chance? Pas du tout. Ça existe, ça? Bah, je peux demander. Ça existe dans l'univers? Oui, ça existe. Ah, putain, c'est fou. Trop bien. En revanche, tu vois, depuis que Minderia lui a montré la recette de pâte de fruits, tu vois qu'il est vraiment. Des fois, il regarde dehors, voir s'il n'y a pas d'autres clients qui arrivent. Pas qu'il vous faut à la porte, hein, mais vraiment, il a l'air de plutôt de checker un peu s'il n'y a pas d'autres personnes qui rentrent. Impossible, je body block dehors. Bah déjà il voit, oui il voit. Je fais toute la porte. Il voit un immense dos vert. Il voit un gros dos. Moi je suis dehors, je peux pas rentrer donc. Mais justement pendant que la transaction, moi je suis derrière, je fais. Hé, tu veux un truc? Tu veux un truc? Tu veux un truc? Je veux une potion de soin. Okay. Je lui en balance une de celle que j'ai achetée. Oh. Okay. Ok. Très bien, merci. Vous restez longtemps à Candlekeep ou? Non, on compte partir pour un long voyage. Vous partez où? En Auvergne. Non. En Auvergne. En Auvergne. En Auvergne? Oui. Ah. Ah, intéressant. Intéressant, pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Il part dans son arrière-boutique et il revient, il te tend une carte. Une carte en métal qui a l'air un peu luminescente, un peu rougeoyante. Quand tu la prends, tu sens que ça te brûle légèrement, mais ça ne dure qu'un seul instant. Et il dit peut-être que vous pourrez me trouver dans ce qu'on appelle l'Imperium Ambulant. Eh bien, du coup, je peux garder la carte? Gardez-la. Merci pour votre carte du roi Pokémon. Je la range dans ma besace. J'ai envie de canner. Il y a un moment où on peut lui retirer un point ou... Oui, bah moi je compte. Hein, mais Un moment où on peut juste lui mettre un coup de lame parce que vraiment c'est trop. Ok. Bon, moi, en passant, je dis à Troma, vous avez de la potion de soin sur vous? Non, j'en ai pas besoin. Je compte sur la lumière. La foi est mon bouclier. Je l'entends. Un problème? Ogresse? Je passe la tête. Il a quoi? Ah. Oui, regarde ta lumière, oui. Ok, quand vous serez blessé, on verra qui soignera l'autre. Alors, j'ai une potion de soin. Suite à sa phrase, moi je te prends 3 potions de soin. Ok. Et il y a combien? 150. Ouais. Et tu me dis que c'est quoi? C'est que des trucs contre les éléments? Il a des résistances, après il a quelques onguents, quelques trucs, mais rien qui vous intéresserait là, en premier abord. Ouais. Après, il a quelques trucs de. Il n'y a pas une potion de pour force. Se nourrir ou des choses comme ça. Non, il a vraiment. Là, ce qu'il vous dit, c'est que vraiment, il est fait avec les moyens du bord
et que ça a l'air d'être... La boutique est belle, hein, y a pas mal d'ingrédients et tout, mm-hmm. mais il y a beaucoup d'ingrédients qui ont l'air d'être là un peu de manière... On a peut-être besoin de rations. De manière un peu unique. Ils vendent des rations ? Du pain elfique ? Non, mais je peux... Ok, Sam. Ça paraît du pain. Non, mais je peux vous vendre une potion de satiété, si vous voulez. Une potion de quoi ? De satiété. Ah. De satiété. Ah, bah ça tu vois. Non, mais ça nourrit, ça, ça ne vous nourrira pas entièrement, mais ça vous coupera l'envie de manger. C'est complètement inutile. C'est efficace. Vous savez, des fois, quand on est dans une situation délicate et que votre ventre crie famine... Je sors de la boutique pendant qu'il me parle. C'est la potion de Conjac. Ah. Oh ah, yo. Ah. Yo. Bon, bah tous les tiflins ne sont pas polis, visiblement. Bon, je J'espère note qu'il ne va pas goûter des pâtes de fruits, mais... On verra. Quand tu esquisses son sourire après ta remarque, tu vois qu'il a les... une partie de ses dents que tu n'avais pas remarqué qui ont l'air d'être très pointues. Oh. Pointues. Je prends une potion pour le feu. Ok. Donc, comment 64. Ça, pointues? Il n'y a que elle qui l'a vu, mais ça a l'air d'être un regard un peu carnassier en coin. Mmh. Je vous dis rien. Je sais bien. Mmh. C'est normal. C'est... Tout va bien. Non, moi je le trouve sympa. Donc il a juste dit bah, de repasser demain à la première heure. Je repasserai demain. Ok. Est-ce que... On a fini, je pense. Hein. On a fini ? Oui. Donc là, vous êtes en fin de journée, donc vous pouvez encore peut-être potentiellement soit festoyer au foyer, soit retourner chez Sylvira et attendre que le temps passe pour aller le lendemain matin. On peut, moi, je propose qu'on discute peut-être un petit peu au foyer. Ouais. Ah, ouais, on allons-y. Faire connaissance un peu plus avec Fumble, éventuellement. Ça me va, j'ai grand faim. Et bien, en plus, on n'est plus obligé de payer maintenant. Mais du coup, niveau budget, nourriture, c'est comment pour vous en général c'est, Dans mon pays, on appelle ça le Akala Miam Miam. C'est-à-dire que nous mangeons beaucoup, beaucoup. D'accord. Alors, sachant que là, Sylvira, t'as aussi compté pour ce soir. Ah. Super. Heureusement. Je devrais avoir une table pour moi. Il y a quand même une limite à la dinguerie, hein, mais... Elle me connaît bien, elle me connaît bien, c'est bon. Il y a de quoi faire. Oui. Ok. Bah, pensez à moi, je dis aux deux gnomes de nous mettre les deux porcs qui sont en train de rôtir au milieu du foyer. Vous retournez au foyer, ok. Donc déjà, ils vous revoient et en mode... Ah, vous aviez pas fini On n'a jamais fini, vous le savez très bien. Oui, oui. Bah, la meilleure table. Après ce que vous avez fait comme bordel, il n'y a plus personne qui a pris votre table, hein, là-bas, au fond. Donc, Très bien, c'est la meilleure table. Il y a encore... faut que je nettoie. Enfin, j'ai pas encore fini de nettoyer, mais... Ça mange quoi, un ogre? Tout, même les gnomes. Les gens, oui, les gnomes. Quand tu dis même le gnome, tu vois, il est déjà en train de. Surtout les gnomes. Ah. Surtout s'ils sont pas rapides. Et d'accord, très bien. Ah, tout peut passer. C'est pour ça, que c'est plutôt pratique. Et ça digère très mal les cornes. J'ai déjà essayé, et si, ça va. Mais dis-moi, Fumble, as-tu déjà combattu dans ta vie? Bien sûr. Ah, narre-moi un de tes exploits. Ah, très bien. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de la ceinture. Ce mage qui était venu dans mon marais, hein, quand j'étais tranquillement et sotte et idiote, même avant d'être moniale, j'étais forte. Mmh. Il est arrivé, il a essayé de jeter un sort, parce qu'évidemment, les ogres sont mal vus hein, dans notre pays. Et heureusement, vous m'avez bien vu, et ça, je vous en remercie. Et il a tenté de jeter un sort, et je l'ai juste foncé dessus, un coup de tête, un coup de poing, et c'est parti. C'est ce qu'on appelle de belles négociations. C'est toujours important. À l'époque, je n'avais pas la parole, maintenant, je peux parler. Car je peux parler que depuis ce moment. D'accord. Et il vous arrive de temps en temps d'enlever cette ceinture de votre tête, ne serait-ce qu'un instant? Jamais. Jamais. Et si vous essayez de l'enlever? Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Mais je voulais savoir si vous gardiez l'esprit quand même clair avec ou sans cette ceinture. Non, si tu me l'enlèves, je redeviens un ogre et je te mange. D'accord, mais c'est au cas où d'un combat. Des fois, une ceinture peut vite tomber. Elle ne peut pas partir. Elle est là, elle est collée. D'accord. Et le qui l'a fait tenir? Oui, comme la chope de bière qui est arrivée, c'est ça? Alors le gnome, lui, s'est manié. Il vous a ramené à manger là, entre-temps. C'est très bien. Mais toi, là, ne t'assois pas à côté de moi. Non, c'était juste une remarque. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans ce groupe? Tu ne t'es pas présenté? Je fais des tours de magie. Voilà. Il amuse la galerie. Ah. Mais je ne suis pas magicien, pour autant. Il sera d'ailleurs en représentation en Averne le 12. Eventure, tu peux me lancer un D10, s'il te plaît, Eventure. Mm-hmm. Un D10 avec cette dinguerie encore. Un D10. Qu'est-ce qu'il fait? D10 Non. 10. Ah, bien. Wow. Alors, t'as ton patron qui te parle. Mm-hmm. Il dit, allez, vas-y, montre-lui. Un truc là, vas-y, tu passes pour un PNQ, montre-lui un truc là. Bah, montre quoi? Qu'est-ce qu'un nain sait faire avec de la magie? Comme ça, qu'est-ce que tu veux que je lui montre? Refais les flammes là, dans l'eau et tout. Dis à l'autre gros là, l'autre, vas-y là, demande, prends sa chope là, mets de l'eau, fais du feu, fais truc là. Ah, mais... Ouais, on passe pour des cons là, fais un truc. J'ai pas été ridicule la dernière fois. À qui est-ce qu'il si, c'était ridicule. Il entend des voix. Claire, tu te souviens de l'arme là, le bilboquet que tu m'avais donné là qui explose? Tu peux pas me le donner? Non, non.
marche pas comme ça. T'as pas une arme un peu plus puissante? Bon, je vais voir ce que j'ai. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? C'est long. Ok. Mais en fait, vous avez deux nains? Une grande arme. Un truc énorme, même si c'est inutile, d'accord? Il parle d'une arme, là, ou il parle de quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Je pensais dans... Je l'ai vu préparer. Une pensée, voilà, profonde. Écoutez, je vais vous montrer ce que je peux faire, et j'invoque une arme dans ma main. Ok, lance-moi un dé de 20, s'il te plaît. J'espère qu'il va me suivre. Je me recule. Je le regarde attentivement. 7. Ok, attends, je regarde juste un truc. Tu as une... Ça peut être des filouillages. Tu as une trompette qui apparaît dans tes mains. Mais c'est pas vrai. C'est un mélomane. Tu es un troubadour. Une trompette qui est en cuivre. Mais très fais belle ta trompette. Taille. Vous voulez que j'en joue un morceau? Non. J'ai fini d'écrire, écoute. Et cette trompette est en forme, enfin, une sorte de grandes oreilles. Alors, vous avez jamais vu cette créature, mais pour vous, RP, ça ressemble un peu à un éléphant. Elle semble être vraiment cuivre orangé. Et visiblement, il te dit d'en jouer, mais plus dehors. Mais non, je vais faire une démonstration. Oh, bah, non, c'est pas nécessaire. Vraiment. Joue dehors. Tu peux jouer à l'intérieur, hein, pas de problème. Hein, mais, je prends la trompette et je souffle dedans à l'intérieur. Ok. Tu peux me lancer 2d10 s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Evan? J'ai rappelé que j'ai reculé. Hein. Mmh. Ah, moi je suis vraiment mais à côté de lui quoi. Je commence aussi à me reculer, le dernier. Moi j'attends, je regarde. Moi je suis complètement en confiance, je me dis que ça va t'éclater. Alors j'ai un 1 et un 6. Oh ça va. Ok, ça va. En fait, derrière vous, en fait, il y a un mur de 6 mètres de long et d'un mètre de haut qui pop et qui vous décale. Ça détruit une partie du mobilier et du mobilier qui était en dessous qui saute en l'air. Ah ouais. Les meubles sont explosés et t'entends ton patron qui dit « J'avais dit, bon il est petit celui-là, mais mollo. » Ah oui, 6 sur 1. Et donc je regarde, alors ? Et c'est quoi ? Ah et le gnome qui est à l'autre bout du foyer et qui a l'air d'être dépité. Là, je me suis retenu. Attends. Ton pouvoir, c'est d'avoir de la musique qui fait apparaître des murs. Mm-hmm. Pourquoi? Ben, on sait jamais, peut-être pour se protéger ou pour enfermer des gens. Il y a plusieurs utilités à depuis un mur. Quand tu es musicien, maçon, aventure. Alors, j'attrape le nain par les épaules et je le pose derrière le mur. Posez-moi. Non. Je le mets derrière le mur. En vrai, il fait un mètre le mur, je peux l'escalader. Non, le mec, tu peux c'est pas, lancé. Tu vas derrière le mur. Tu restes là et vous tu voyez très bien que mon buste dépasse du mur, je peux l'escalader. Tu restes derrière ton mur. Le mec, c'est l'ancêtre de Fortnite. Tu vois, et fais ton greu. Ton patron, il te dit. Je vais ressouffler. T'avais dit dehors. T'avais dit dehors, on passe pour des cons. On passe pour des cons encore. À ce moment-là, il y a une brique qui est tombée du mur et je l'ai remis. Et c'est juste devant sa tête, faut qu'on le voit plus. Ah bah non, je fais quand même 50 cm de plus quoi. Alors 2, 3. C'est quoi, je casse un bout du mur pour le mettre et je l'aide. Et on se check. Bah ouais. Je me décale. Le cirque Zavata. Je garde quand même la trompette en main au cas où. Bon, vous êtes plus jalouse. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de me coucher. Moi, moi j'ai soif et faim. J'ai mal au dos. Moi je rentre un peu plus tôt que le groupe. Ok, ça marche. Puis je vais éclater. Comme d'hab. Qui veut rentrer, qui veut festoyer? Moi je vais juste manger et boire. Oh, je vais rester avec l'ami Hook qui reste également. Bien sûr. Ok, allons-y. Donc toi, cher Al, tu pars. Il y a encore Sylvira qui est en train de travailler sur le bouclier. Je discute avec elle. Tu peux discuter un peu avec elle. Ouais. Peut-être que tu auras des infos, peut-être des petits trucs discute en plus. Ça discute magie. D'ailleurs, elle te parle un peu de son ami Fumble. Elle te dit que la grosse cage avec les deux griffons qu'on a un peu plus costaud, c'est pour évidemment son ami. Ouais, on a vu le gabarit. Parce qu'elle te raconte qu'une fois, elle a essayé de chevaucher un griffon et que ça a très mal fini. Le griffon a pas volé longtemps. Et puis elle a l'air de vraiment sympathiser avec toi. Vraiment, pour le coup, ça se passe plutôt bien. Pas de trucs en plus. À part si t'as des questions très précises sur peut-être des sujets qu'elle sait, mais en vrai... quand t'es arrivé, elle a un peu arrêté d'étudier le bouclier. Parce que tu vois, vraiment, elle avait l'air d'avoir besoin de toute sa concentration pour ce qu'elle était en train de faire. Ouais. Mais plutôt, tu tailles le bout de gras avec elle. En fait, j'essaye d'en apprendre un peu plus sur... J'ai envie d'essayer de maîtriser la magie qui permet de créer de la lumière. Et j'essaye d'en savoir plus là-dessus. Ok, elle te donnera des ouvrages que tu pourras potasser, ce genre de choses. Elle te dit... Elle n'est pas experte là-dedans. Mm-hmm. En revanche, aussi, au bout d'un moment, la conversation dérive un peu et elle... t'explique un peu des secrets qu'elle a trouvé sur les boîtes infernales. Donc si d'occasion tu recroises une boîte infernale, tu pourras potentiellement tenter de l'ouvrir avec plus de facilité. Ok. Chose que tu n'aurais pas du tout pu envisager avant. Ok, cool.
Et donc vous, qui êtes en train de festoyer, on va tous me faire, pour ceux qui boivent de l'alcool, un test de constitution. Ouais. Test de sauvegarde de constitution. Attends, juste avant, est-ce que Venture est derrière le mur, toujours, par rapport à nous? Alors au bout d'un moment, le mur, au bout de 6 minutes, ouais. Le mur disparaît. Ah bah voilà, toi. On t'avait oublié. Et toi, mon cher Hook, quand tu feras le test de sauvegarde de constitution, tu auras un désavantage. Oh mais merde. Alors, ça fait quand même plusieurs chopines que tu t'enfiles. T'as vu tout ce que tu bois. Digga digga dam. Alors, j'ai un test, on va commencer par Adventure, si t'as bu, est-ce que tu bois? Alors, je bois, mais normalement j'ai résistance au. Donc toi, t'auras un avantage. Ah, je fais quand même? Ouais. Ah. Bah, j'estime que quand vous dites que vous festoyez, c'est vraiment c'est vous profitez de votre dernière soirée. 18. Et 5. Okay. Constitution, du coup? Ouais, mais t'as fait 18, donc ça passe. Avec ta constitution, ça passe. Mon cher Troma. Oui, je vais boire un verre de vin de messe quand même, ou de... voilà. Évidemment. Évidemment. On est sur un 13. Avec une pile plus de 2. Ok. T'es légèrement pompette, mais ça va. Ma chère Fumble, allez. Tu as un avantage aussi. Tu m'étonnes. 1 et 2. C'est au bout de 20 litres qu'elle est bourrée. 20 Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais. Tu sens même pas... C'est de l'eau. Voilà. De l'eau, c'est juste de l'eau. Ouais. Le goût est bon, mais c'est voilà. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ma chère Lindaria, tu bois aussi? Oui. Tu veux me faire un test de constitution aussi, de sauvegarde de constitution? 2. 6. 6 moins combien? Et plus ta constitution ou moins ta constitution? Plus 3. Donc Éclataxe. T'es pompette. Ouais, t'es très pompette même. Ok. C'est-à-dire que quand tu vas te lever de table, va falloir qu'on t'aide un peu peut-être pour retourner chez Sylvia. Ok. Et toi, mon cher Hook, avec des avantages? Avec des avantages. Ah, 19. Oh. Ouais, mais faut relancer, bon. Ouais. C'est bien dommage. 20. Oh, oh la ouais. Vache. Terre brûlée. Alors, malgré tout ce que t'as bu, t'es pompette, mais t'es pas ivre-mort. Ouais, voilà. Et pourtant, l'inverse, enfin, normalement, ça aurait été plus l'inverse qu'aurait été probable. Mm-hmm. Hey, il résiste bien, lui. Hey. Bonne constitution, monsieur. Y a pas que, hein. On n'est pas que grand ici, hein, on est... Tiens la route. J'avais oublié, juste je montre ma hache et je lui demande un peu de l'examiner. Ok, bah peut faire ça cette nuit avant d'aller se coucher si tu veux. Mais après... On... Ouais. Dites-moi Fumble, vous connaissez une boisson d'homme de votre région peut-être? D'homme de ma région. Bah de... Une boisson de chez vous quoi. Je connais des boissons plutôt de chaudes de ma région. Ouais. Une boisson 8-12-12. Dites-moi, il n'y a pas un truc, une boisson qu'on n'a pas l'habitude de servir ici et qui existait chez vous? Ouais, je connais la Nokia, en effet, qui te permet d'avoir une boisson chaude. Et qui n'est réservée qu'aux ogres, parce que vous tiendrez jamais. Eh ben c'est parti. Nokia. Tu as de la Nokia. Tu devrais dire 8-12-12 en même temps. C'est un conseil. Alors tu as ce qui semble être l'alcool que tu as décrit. D'accord. Aussi bien en termes de consistance que d'odeur que de... Et si tu regardes bien au fond, tu peux voir quelque chose de nu au fond. Alors tu vois une ogresse nue. Cette vision me trouble. Ça me meule. J'ai un passé. Tout le monde. Santé. Only ogre. Tu vas me refaire un test de constitution avec des avantages. S'il fait que 20 et 19 pour ces tests, au secours. 19. Non, 16, pardon, excusez-moi. Ah, c'est l'alcool qui me sort. 18. Ah, 9 plus 2, 11. Tu commences, après avoir bu une bonne gorgée de l'alcool que Fumble t'a proposé, ton visage, vous voyez tous le visage de Hook qui change, et là d'un seul coup un œil commence à dire merde à l'autre et t'as l'air d'être décalé. C'est plutôt une boisson d'homme. Je t'avais prévenu. Ah, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais... T'as dû goûter? Bon, vas-y. Hein. Allez. Et Ah oui. Je vais ignorer l'image au fond. Si on allait dans mon marais, je pourrais vous en faire, car l'ingrédient principal est la merde de pigeon, ainsi que la merde d'orgre. Ah. Ils ont fini de m'écouter. Je me penche. T'as bu sa merde. Je vais mettre dans la merde. Alors, quand tu... mon cher Hook, quand tu vomis, il a le gnome qui est au loin. Qui... Le gnome au bout de sa vie. Et il appelle... Enfin, il fait un signe demain à l'autre gnome qui arrive, il lui met une claque. Et il part chercher de quoi nettoyer. Vous voyez un Suri qui arrive et qui s'approche et qui nettoie. Il fait « Bon, on ferme bientôt. Hein. » Courage, mon bon Suri, ça va aller.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous auriez pu donner la composition avant quand même. Non, c'est ce qui fait son charme. Mmh. Oui. C'était donc ça les ingrédients qu'il y avait au fond du verre? Oui, c'est ce qui donne un peu de consistance. Après cette mésaventure, je décide d'aller chercher une un compagnon et une compagne pour la nuit. C'est ma dernière nuit, les gars. Fait un moment que vous êtes dans le foyer et il n'y a plus grand monde. Genre, ce qui reste. Non, mais c'est un poteau, Oscar, pas loin si tu veux. Il reste deux gnomes qui tiennent l'établissement. C'est toi qui fais un poteau. Il reste deux gnomes. Hook, ne fais pas rôtir les gnomes. Hook. Là, je les prends par les deux épaules et je fais. Les gars, comment ça se passe par vous? Non, laisse les gnomes. Il te regarde, vous empestez le vomi, monsieur. Il faut partir, rentrez. Il faut partir maintenant. Il faut partir, monsieur. Bon, bah tant pis. On aura essayé. Et hop, bon, bah je me dirige vers la sortie de l'établissement. Qui est le plus torché déjà? Il me semble que c'est toi, Minda. Tu as lancé un dé 10. Oui, Minda a éclaté. Ouais. Je la prends sur mes épaules, sur une épaule. Ouais, mais un dé 10 quand même. Je t'ai pas permis de me toucher. Attends. Aspersion d'acide. Ah oui, merde. Peut-être pas. Elle est devant. C'est un dé 10, ça? Oui. Ouais, c'est un dé 10. Okay. 2. Vous mettez au lieu de 15-20 minutes pour entrer 2 heures. Vous perdez dans Candlekeep, au bout d'un moment vous reconnaissez la tour, vous êtes épuisé, la porte s'ouvre automatiquement face à vous, les escaliers s'éclairent, donc vous arrivez au bout d'un moment difficilement à monter les escaliers, mais vous voyez au bout d'un moment des chambres qui semblent être prêtes, c'est plus un dortoir, il y a déjà Al qui est présent, à toi de me dire si tu dors ou pas, mais tu es déjà présent. Je suis pas encore en train de parler avec bah elle est plutôt en train de partir aussi se coucher, et voilà, de rompir sur toi également. J'ai mine derrière ou pas sur mon épaule? Je hurle. Y a pété! Je pose la chèvre à côté de l'autre chèvre. Ok. Allez hop, à la bergerie. Et elle se dit. Qu'est-ce qu'il fout? Alors, ils empestent, hein. Ils puent la sueur, mais le qu'est-ce vomi. Qu'est-ce que vous foutez là? Chut, c'est compliqué. C'est une longue histoire. Oui, c'est très. Et d'ailleurs, Fumble, quand Fumble passe dans les escaliers, les marches, ou du moins le couloir, semblent s'élargir. Et même en hauteur, ça semble pouvoir te laisser passer. Et t'as une couchette aussi qui est préparée. Ça, c'est la tour que tu connais, hein, t'as déjà dormi ici donc tu connais, ça te choque pas, mais vous vous devez penser que c'est peut-être l'alcool alors qu'en vrai c'est vraiment... C'est une magicienne, je l'avais dit. Vous empestez, il est 4h du mat. Vous avez fait quoi là? Ils n'ont pas été très raisonnables, Al. Oui, mais si c'est la dernière fois, il faut festoyer, c'est tout. Bon, tu l'as foutu là, genre tu l'as posé genre à côté de toi. Il entrepose les chèvres quoi, vraiment. Et je fais bon. J'en peux plus, c'est 2 heures que j'ai sur mon épaule, je te la laisse. Oh oui. Alors je vois qu'elle a éclaté, je me lève du lit et je mets la couverture sur Mindaria et je me décale sur un autre lit. Ça marche, ça marche. Donc le lendemain matin, pas vous mentir que pour certains c'est difficile. Matin, midi. C'est, oui, on moi, est... Moi le matin je fais des pompes et tout. Alors, Sylvira vous a laissé dormir pour la plupart. Ceux qui sont, on va dire, qui sont pris une bonne cuitasse, donc vous deux notamment, il y a le... Vous vous rappelez de la petite créature de Sylvira qui s'approche de vous en vous demandant des petites concoctions. Et quand il vous l'étend et qu'il voit que vous galérez un peu à les attraper, et, par exemple, mine derrière, il t'attrape le nez, il te met la boisson dans la bouche. Et tu te sens... alors t'es toujours un peu groggy, mais t'as l'air un peu plus... alors toi qui avais envie de vomir et tout, là tu te sens un peu mieux, mais t'es encore un peu dans les vapes. Okay. Et toi pareil, la petite créature te tend le truc, tu le bois et voilà, ça te sent... ça te revigore un petit peu, mais t'es toujours un peu à la gueule de bois, quoi. Donc pour ceux qui avaient des choses à faire le lendemain matin, voilà, vous y allez, par exemple, Mindaria, t'arrives difficilement à retrouver la boutique. Oui. Il te tend ce qu'il te donne, il te dit qu'il a pu en faire un peu plus qu'il pensait, donc t'en as une entière et une demi. Et il te donne ça volontiers. Et je peux les couper aussi, moi, répartir Ouais, tu pourrais faire, pour une, tu pourrais en faire deux. Après, ça n'aurait plus trop d'effet. Au niveau du... Il y a un truc par rapport au poids de la créature, peut-être La plus grosse pâte de fruits, si vous en donnez... ce qu'il dit, c'est que si vous en donnez un humanoïde, on va dire, à peu près de votre calibre ou de vos amis, pas l'ogresse, mais ça a des effets en quelques minutes. Ok. Un dragon, un truc gros. Un dragon, j'ai jamais vu de dragon de ma vie, mais en termes de... Si vous voulez imaginer quelque chose de gros, j'imagine qu'un dragon est gros, mais ça lui ferait rien du tout. D'accord, ok. Ça, pire, ça serait peut-être une douceur épicée, ou un petit bonbon épicé. Petit piment oiseau, quoi. Petit piment oiseau. Ça a l'air bon. Et toi, mon cher Al, quand elle a étudié donc la hachette de tout partout, ouais. Elle t'annonce une nouvelle qui est pas terrible. Elle te dit que l'arme semble maudite, qu'elle est liée à toi.
et qu'elle te déconseille fortement de t'éloigner trop longtemps de la hache. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je m'éloigne? Elle sait pas trop, mais elle a l'impression que la nuit, quand tu dormais, la hache sanglotait. Alors. D'accord, ça explique les bruits que j'ai pu entendre, mais... Mais c'était pas, c'était pas moi qui pleurais. Hein. Moi non plus. Oui, non, les ogres pleurent jamais. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer la brûlure que j'ai ressentie quand... Peut-être un début d'harmonisation avec l'arme, mais... Et ces runes, vous les reconnaissez? Ça me dit rien. Il y a bien quelque chose que je n'ai jamais trop regardé, c'est la culture naine. Donc c'est du nain. Qui... Ça ressemble à du nain, ouais. Ça ressemble à du nain. Du nain. Ok. Ouais. Bon. On va juste essayer de... Mais trouver une petite pièce, quoi. Pas trop vous éloigner. Gardez-la bien à votre ceinture, je pense. Ouais, ouais. Ok. Merci. Non, pas de soucis. Donc vous êtes tous prêts pour partir? Oui. C'est bon? Oui. Oui. Très bien. Je pense que nous-mêmes et les spectateurs qui nous regardent sont prêts pour cette aventure. Vous avez pris une sacrée mine hier, vous. Hein. Les spectateurs, très bien. Est-ce que je peux éventuellement les aider avec une dissipation de poison, puisque l'alcool est un poison, en quelque sorte? Tu pourrais. Mais quand tu vas commencer à le faire, Sylvera te dit que ce qu'elle a fait apporter aux gens qui étaient un peu ivres va faire effet dans quelques heures. Très bien. Ça va permettre de tenir debout déjà. Les griffons sont attelés. Toi, elle t'indique, ma chère Fumble, une cage pour entrer. Avec un les griffons semblent habitués à la présence humanoïde et vous commencez à vous envoler. Moi, je me mets en PLS. En quittant Candlekeep. Et après plusieurs minutes de vol, vous découvrez au loin une tour que le narrateur va vous présenter maintenant. Alors que se voir transformé en loutre pourrait être le cauchemar de beaucoup, cet événement a été une véritable révélation pour Traxigor. Bien plus à l'aise dans ce corps que dans celui du vieillard qu'il était, il a pu continuer ses études sur la téléportation et les différents plans infernaux. Merci, monsieur le narrateur. Donc les griffons vous déposent sur le toit d'une tour assez haute, une tour magnifique, d'un blanc qui presque pourrait vous rendre aveugle si vous commencez vraiment à fixer les pierres de cette tour. Vous descendez naturellement par le seul escalier qui est au niveau du toit de cette tour, et vous arrivez dans un endroit où il semble y avoir plein de fioles, de choses qui bouent, et des livres partout, ça a l'air d'être vraiment le bordel. Et vous voyez quelque chose qui bouge en fait dans les papiers, et ça a l'air de faire un bruit un peu animal. Ça gémit un peu, ça fait... Donc ça commençait à fouiller, il y a des feuilles qui volent. Et il semblerait qu'il y ait quelque chose qui serait en train de se balader dans cette pièce. Il y a un rat. Yurki, c'est toi? Un gros rat. Sors ton épée ou que chope la bête. Prends la chope. Appelle le rat. Quand vous commencez à parler un peu plus à haute voix, il y a une loutre qui sort des papiers. Une belette. Qui a des lunettes et qui est habillée, qui est vraiment habillée avec des habits parfaitement taillés pour sa condition de loutre. Une espèce de robe un peu comme Sylvira, mais plus pour... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour lui, pour la loutre. Et il vous regarde, mais vous êtes les amis de Sylvira. Une loutre qui parle. Une belette qui parle. Oui, une loutre qui parle. Et vous voyez qu'il sort des livres et il a l'air un peu de bomber le torse, il marche comme ça. Oui. Il est adorable. Enfin, il fait des... il fait des petits pas et il vous regarde. Alors vous êtes Al, ouais, c'est ça. Vous êtes Minderia, donc vous êtes les deux tiflins. Vous, je vous connais le nom, vous êtes l'ogre, je vous connais. D'ailleurs, faites gaffe, votre ceinture, elle glisse un peu, il faudra faire attention. Merci. Et en revanche, je dis, vous, j'ai du mal à saisir un peu, vous trois, ce que vous êtes, qui vous êtes. Aventure. Inutile. Du clavier. Il donne sa patte, prend l'autre et il... Très bien. Et vous, mon jeune humain? Bonjour à vous, ami loutre, je suis Troma, paladin de Tyr. Ah, très bien, et vous? Mais moi je suis mon grand monsieur. Et je commence à y caresser le dessus. C'est fait. Touchez pas. Excusez-moi, Seigneur Belette. D'accord, Seigneur Belette. Oui. Donc je suis Traxigor et on m'a dit de vous faire changer de plan. Enchanté, ouais. Vous emmener en Averne. Vous faites ça souvent? Pas souvent, je dois bien vous avouer. Justement, je cherchais un diapason qui me permettrait de vous amener à peu près à l'endroit où je veux. Si vous pouviez m'aider à le chercher rapidement, comme ça... Vous l'avez laissé... Dans les papiers... Votre diapason, il a quelque chose de particulier? Non, c'est un beau diapason, quoi. Est-ce qu'il y a plein de papiers partout? Ouais, il y a plein de papiers partout. Je fais un grand souffle d'ogresse. Ok. La salle est détruite. Tous les papiers s'envolent. La laine est terrible. Il te regarde et fait... Ah! Il va chercher le diapason. Il fait... Bon! Vous êtes prêts?
Eh ben, comme ça, efficace. Vous avez besoin d'aide. De toute façon, il fallait que je range, donc... Ah oui, c'est rangé, là. Ah, fou. Un peu moins le bordel. Vous avez besoin d'aide pour l'incantation, peut-être? Non. Quelqu'un qui reste sur ce plan pour les aider à voyager, non? Non, ça va aller. Pourquoi, vous avez les pétoches? Non, nullement. Alors, le nain, on a peur. Pas du tout. Ça marche comment? Tu devrais refaire un petit mur, non? Comment? Tu veux vraiment que je refasse un mur? Refais ton mur. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On doit se tenir par la main, comment ça marche? Alors j'ai un cercle là-bas, il te montre un truc qui est dans une pièce un peu en alcôve. Uh-huh. Non, on va là-bas et je fais le changement de plan. Et qu'est-ce qu'on doit s'attendre à... Ah, ça va vous secouer un peu, mais... Et vous savez où on va arriver, même si c'est une zone qui change constamment? En fait, grâce au diapason, je peux vous envoyer dans un endroit qui n'est ni trop haut, ni trop bas, ni dans de la lave. C'est ni entouré à moins d'une dizaine de kilomètres d'ennemis ou de choses qui pourraient vouloir potentiellement vous boulotter. On pourrait avoir un petit peu de civilisation autour quand même. Pas tout promettre. Est-ce que c'est vraiment voulu? Un minimum de personnes autour. Un campement, quelque chose. Je déconseille de rencontrer des gens là-bas. Oui, mais... Non, c'est pas vraiment l'objectif. Mais on peut rencontrer des gens. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Vous avez vu ma carrière? Oui, non, mais on est d'accord. Mais est suicidaire, c'est différent. Dans vos livres, qu'est-ce qui parle de campement? Il y a quoi comme habitation là-bas? Ah non, il y a de l'ennemi, mais on peut parler avec l'ennemi. Mais quoi? Non, écoutez pas cette folle. Il est possible. Non, mais cette ceinture, elle tient pas bien là. Et là, tu vois, il se rapproche de Fumble. Ce que veut dire cette ogresse, et il te tape un peu la cuisse, c'est qu'il n'y a pas que des créatures hostiles en Averne. Il y a des trucs un peu doués de raison. Voilà, il y a d'autres choses, mais bon, c'est vrai que à premier abord, quand vous arrivez là-bas, j'ai une question. Il y a de grandes chances que la première chose que vous voyez a envie de vous blotter. Alors imaginez. J'ai une question. Est-ce qu'il est possible potentiellement d'envoyer l'ogresse en première, d'envoyer un message pour voir si elle répond de manière en mode oui, ah, j'ai pas tout apporté. Va bien. Hein. Il a cru que j'étais un copain. Je capte pas en Averne. Ou elle peut tout simplement revenir pour dire oui, tout va bien. Il se rapproche de toi et te regarde d'en bas. Pour une fois qu'il y a quelqu'un d'un peu plus petit. Oui, on fait la même taille. Et écoutez, ça fait des semaines que je prépare ce truc. Enfin, des jours, des semaines, ça fait longtemps que je suis pas sorti de ma tour. Vous allez me faire le plaisir de vous mettre dans ce putain satané cercle. On rentre tous dans le cercle là parce que... Oui, c'est ça, c'est grand. Ça, c'est bon. Très bien. Après, si vous avez les pétoches... Est-ce que vous maîtrisez les arcanes vous-même en tant que utilisateur? Oui. Est-ce que vous auriez pas... Je suis encore archimage, vous savez. Vous auriez pas chute de plume? Pour nous, histoire que si jamais on tombe de haut. Normalement, je vous garantis, grâce au diapason, vous serez sur. Commencez la phrase par normalement, ça m'inquiète un peu. Non, mais normalement, si je n'ai pas le diapason, mon cher Tifo. Ouais, très bien. Si je vous avais envoyé qu'on n'aurait pas retrouvé le diapason, bon là, j'aurais dû. On aurait un peu serré les fesses, si vous me permettez. Très bien. Bon, je vous fais confiance alors. Sylvira n'a pas taré d'éloge sur vous. Ah, elle va bien d'ailleurs. Très bien. Ah, très bien. Très bien. Bon, bah écoutez, je m'installe dans le cercle. Ouais, je me mets dans le cercle aussi. Je sors mon épée. Ouais. Très bien. Je dégaine épée, bouclier, je me place à côté de Hook. Alors que Traxigor est en train de pratiquer le rituel pour le changement de plan, une action commence à se produire autour de vous. Vous sentez que votre peau vibre, que vos essences commencent à partir dans un autre plan. Et on verra ça juste après une petite pause. Ah. Je peux y aller. Et du coup, on a... Oui, ah. Accroche-toi. Merci, mon cher Al, mon cher Alpha. Je te tiens par la main. Oui. Avant la petite pause, Alpha a la fameuse annonce à vous révéler. Tout à fait, l'annonce. Let's gong, comme disent les autres. Let's gong, pour l'annonce, en effet, mesdames et messieurs, vous voyez les cornes, j'en perds mes cornes. Mesdames et messieurs, avant de partir sur cette pause, annonce essentielle concernant l'épisode 5 de Table Quest. Eh bien, l'épisode 5, mesdames et messieurs, de Table Quest, il y a une mauvaise nouvelle. Ce ne sera pas le mois prochain. Ce sera le premier week-end d'octobre. Et ce sera au Grand Rex. Voilà. À Paris. Ce sera à Paris, mesdames et messieurs, au Grand Rex. Et vous pourrez venir assister. Voilà, il y aura des places en vente. Et on va normalement ouvrir la billetterie juste après le Game Pass Challenge, donc qui sera fin août. Donc on espère vous voir très nombreux là-bas, on espère vous voir nous suivre, il y aura évidemment l'équipe au complet, il y aura des guests,
Et ça va être, je pense, une expérience très, très cool. Incroyable. Très très. Yaventi, c'est grave chaud. Faut pas dire ça. Ouais, enfin, ouais. Voilà. S'il peut y avoir moins de 1000 personnes, ça m'arrange. Il faut qu'on ait plus de 1000. Non mais voilà, donc bah, voilà, c'est l'annonce de ouf. Merci à ZQSD qui ont rendu ça possible. C'est, voilà. C'est ZQSD, cool. Un soir, ils viennent nous voir, ils font on a une idée pour l'épisode 5, c'était là, jure. Bref, donc ça va être trop cool. Ce sera le premier week-end d'octobre, voilà, soit le premier, soit le 2. On vous tient au courant. Et voilà. Trop de vous voir. Ça va être trop cool. Du coup, pause maintenant. Petite pause aller. Avant de partir en Auvergne et pas en Auvergne, trop maton. J'adore l'Auvergne. Des goûts.